Bonsoir, comment ça va? Il n'y aura pas les 5 minutes ce soir. Bon, on devait faire un MTG Arena ce soir. Finalement, non. Parce que le quiz m'a pris beaucoup plus de temps à préparer que je pensais. Du coup, ce soir, ça sera un petit quiz tranquille avec les potos. D'accord, je vais leur poser des petites questions. Je prépare un petit quiz assez sympathique. J'espère quand même qu'il ne sera pas trop dur pour les poteaux. Donc, il y aura au total 6 thèmes, dont un thème mystère, 10 questions, 90, 2 minutes, je crois. J'ai changé le temps. Non, 1 minute? Non, j'ai changé le temps, c'est 2 minutes. 2 minutes pour y répondre. Ils auront le droit de passer, naturellement, et revenir à des questions. Une fois que le thème est choisi, ils ne peuvent plus l'utiliser. Et vu qu'ils sont 3, on va faire deux, ils auront droit à deux thèmes puisqu'il y en a 6. Et normalement, on va bien s'amuser. J'espère qu'il y aura du fun. Un peu de sel aussi, je vais pas vous mentir. Un peu de sel, ça serait très très cool. Donc voilà. Un point, une bonne réponse égale un point. Naturel. On n'a pas mis la musique aujourd'hui, il n'y a rien. Vous attendez pas. Ah, salut Léonie. Il n'y aura pas un désover les deux fous, j'avoue, j'ai pas travaillé ça, c'est juste que l'idée m'est venue, encore en la journée, je me suis dit, tiens, on va faire ça, let's go, on a lancé le truc. J'ai demandé aux autres, les autres étaient plutôt chauds, donc c'est parti. On va les rejoindre. On va les rejoindre sur Discord. Bah, je suis déjà sur Discord, mais on va réouvrir le Discord. Salut les gars, comment ils vont? Ça va et toi? Ça va et toi? Bon, ça va, pourquoi tu rigoles, gros? Salut les gars, comment ils vont? Pour moi, la phrase n'a pas de sens. T'inquiète. J'espère que vous êtes chauds hein, quand même les gars. Bah Ouais, après un peu dans le flou, mais tranquille, on aime ça. C'est Tac. toujours comme ça avec. Est-ce qu'on fait Ouais, on avec fait quoi? On se fait un appel et on voit vos tronches ou Amnèse, on entend juste vos voix? J'ai pas de cam, moi, dans tous les cas, donc. Non mais c'est pas grave ça, mais Mais Tarles, comme je te. Doc. Non, mais avant, mais Ouais. comme je te dis, est-ce qu'il y a un visuel? Non, j'ai pas de visuel. Non, j'ai mis déjà deux plombes afin de faire le quiz. Alors, il n'y a pas de visuel, j'avoue. Il n'y a pas de whiz. Mais. Bah, du coup, montrez vos têtes, ça, mais, parce que là, l'écran, il est vide. Hein, il y a juste mon fond d'écran, c'est Ouais, tout. bah, je pense qu'on est tous sur ton stream là, mais. Faut Qu'est-ce que mettre les j'allais dire? têtes. Bah, enfin, pour toi, oui. Après, j'espère juste que. Bah, si tu peux quand même être sur deux cams, quoi. Normalement, je crois. Attends. Il faut pas s'appeler en privé déjà? Non, je sais plus. Putain, merde, comment on fait? Si tu. Ça y est, on voit Voilà. Doc. Si tu. Non, mais On tu voit peux. Doc, ça Non. y est. Attends. Bah attends, faut rejoindre juste le truc ou. Non, je crois qu'il faut pas être en conversation, Bah il faut appelle, être. fais un appel, Ouais, fais un j'ai appel, appelé. toi. Vas-y, vas-y, je vous rappelle, je vous rappelle. Merde, attends, faut que je me barre, ça implique. Putain, je sais même plus comment on fait, sa mère. Comment on fait? Voilà. On va appeler Neko. Allô? Ouais, c'est bon. Il est où, Doc? Il est là. Et il est où, Terles? On fait pour augmenter l'image? Il est là. Voilà. C'est bon ou Mettez pas? vos cams vite fait. Mettez vos cams vite fait. Ils arrivent, 2 secondes. Moi, je mettrais peut-être quand même une Allô? petite musique de fond, tu vois. Oui, allô? Comment il va? Il Ça, on détruit. rigole, on rigole, on rigole. Ah. Je mettrais Voilà. une mini musique de What the fond, fuck, tu vois. Doc? Où sont les tétés là? Ils sont tes tétés, Doc? Qui a dit ça? La Yoni. Ou je sais pas, peut-être elle parlait à moi, mais je sais pas de quoi elle parle. Et pourquoi on va quand même. Ça veut pas, hein? J'ai que du bec. Par contre, ta cam, elle est dégueulasse par rapport à ton stream, hein. Je parle du wallpaper. Ah, le wallpaper! Mais t'étais de qui? C'est Vladimir. Là, je crois que ça veut hop, hein. Ça veut pas pour toi? La tête. Mais c'est normal parce que t'as déjà ta cam sur le. Ah bah Bah oui, oui, mais c'est ce ouais, que je dis. logique. Bah ouais. Et pourquoi t'as ta cam, elle est dégueulasse, Doc? Je sais pas, gros. Moi, T'as sur chez moi, elle est très Gurehity. propre, hein. T'as Par contre, Vladimir quand et t'ouvres des la cam sur fois, Discord, c'est TM, petit, gros quoi. tété. Ah! T'as tellement parlé, gros, qu'on a même pas entendu ce qu'a dit Doc. Ouais, ce que t'as dit. C'est Mais Discord qui... Apparemment, c'est Discord qui fait que t'es moche. Ok. Mais tu peux mettre ça en fond d'écran. Bonsoir, Neumann, comment ça va? Ouais, Tu peux mais mettre ça t'inquiète, gros en. tété, elle arrive. Tu Et peux puis mettre ça après, on... en plein écran, Omega.
Ouais, je cherche justement. Bah, ah, à droite, wesh. Ouais. Comme ça, là. Non, toi, t'es en bas. Non, non en bas, à droite. En bas, à droite. Deux secondes, wesh. Bon, juste précision, mais ça me semble logique. Vous répondez pas aux questions de l'autre quand il est en train de parler, hein. Ok. Je sais pas. Bon. Je me suis sub hier, c'est mon sixième. Let's go. C'est très gentil. Quoi lui. Ah ouais. Bah, bien vu. Ça. Mais quand ça hier. Non, parce que moi, c'est pas affiché, en fait. Ah, bah bravo. Mais du coup, bah, en tout cas, merci pour ton sixième mois. Toi qui est follow depuis 6 mois. Toi qui est follow. Non, mais vas-y, tu connais, là, je bégaye, mais vas-y, tu connais, on est ensemble. Eh, bégaye pas au quiz, hein, c'est tout ce que je te demande, moi. Il n'y a pas de. T'es là, tu sais, on est là, t'es VIP, il n'y a, plus... y a pas de galère entre nous, t'es VIP, frère. Tu sais comment je suis déjà. Donc je réexplique vite fait pour l'ensemble de la population qui est sur le stream. Incroyable 2. Je vais vous poser, il y aura 6 thèmes, d'accord, que je vais donner tout à l'heure. Vous en, quand c'est à vous de passer, vous en choisissez un. À partir de ce moment-là, il est plus disponible. Il y en a 6 et vous êtes 3. Donc du coup, vous aurez 2 thèmes, d'accord. Vous pourrez passer sur 2 thèmes. Il y a 10 questions, vous avez 2 minutes pour y répondre. Si vous passez, on passe à la question suivante, mais je reposerai la question au cas où pour vous faire pour essayer que. Au cas où vous êtes en train de bugger sur une question, d'accord. Okay. Non, c'est pas Scribblit, justement, Omega est en train d'expliquer les règles du quiz, là. C'est lui qui fait le quiz. Un point. Une bonne réponse, un point. Et j'y ai pensé, là, en allant chercher mes NEM. Si vous voulez, on va faire un espèce de combo multiplicateur. Si vous faites, genre... frère, de combo. Si vous dites, genre, je fais un combo, et bah, si vous arrivez à faire... on va dire, je sais pas, moi... si vous arrivez à faire tout votre questionnaire... Bah, vous avez le double des points. Ça vous va? Attention, les questions, elles sont un peu ardues. Hein. Je sais que vous êtes des adultes, donc... Des adultes, là. Bah quoi, frère, c'est vrai. C'est mais est-ce bon que, est-ce que sur ton ouais. live, mm-hmm. est-ce que sur ton live, il y aura les questions? Vous voulez que je les mette? Non, c'est une question. C'est pas pour nous, hein. Parce que, non, en fait, je les ai pas mises. Mais je vais partager après, je partagerai dans le Discord l'intégralité des questions et des réponses. À la fin du truc. Non, mais parce que... Non, mais... Parce que j'allais stream ton stream, mais du coup faut pas que sur ton stream tu mettes les ah oui bah oui ouais réponses. Du coup ouais j'avoue ouais bah je les mets pas alors du coup. Bah est-ce que tu mets les questions? Bah je sais pas, ça me semble pas spécialement utile. Bégaye pas, mais que je bégaye. Bah en fait non. En fait je bégaye pour ce que tu m'as dit juste avant. Mais attends, laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Mais du coup est-ce que sur l'écran il y aura écrit quelque chose? Non je pense pas. Ok. Tu pensais mieux? Bon bah moi je me suis dit bon c'est pas. C'était pas spécialement utile, quoi. Vu que je savais que j'allais partager le quiz justement après sur Discord, tu vois. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Ouais, non, mais tranquillement, en vrai, je vais pas stream ton stream, mais tranquille. Tu fais comme tu veux. Attends, la Yoli, c'est moche ou pas Mais merci, Newman. Pour l'écriture là, je d'accord, c'est dégueulasse avant. Bon, qui veut passer en premier? Je sais pas, c'est toi qui veux. Déjà, est-ce que vous voulez savoir les thèmes, déjà? Non, on fait... c'est direct, quoi. C'est quand tu t'énonces le truc, il y a le thème, non? Non, c'est quand. Mais comment tu vas faire Pierre Feuille Ciseaux sur Discord? Bah, tu dis 1, 2, 3, moi je dis Ciseaux, il dit Pierre, on dit Feuille, frère. Ah, ok, 1, 2, 3, Pierre Feuille Ciseaux. Il a dit 1, 2, 3, il a dit. Wesh, ou non, en vrai, le mieux, tu sais, c'est quoi? Là, tout de suite, là, ouais. Enfin, Kobayako. Mais comment tu vas faire Kobayako, frère? Bah, tu dis où t'as mis ta main? C'est tout? Mais non, il triche, c'est sûr. Non, tu sais quoi, je pose une question, vous répondez, je pose une question de rapidité, le premier qui répond, il passe en premier. Le seul qui peut tricher ici, c'est toi. Moi? Oui. Pourquoi? Parce que t'as pas de cam, donc personne n'a la preuve de ce que tu fais. Ah, ta cam, elle est où? Bah moi, on me voit sur mon stream. Ouais, toi, sur ton stream, toi. Moi, je sais pas ce que tu fais. Tes strabs, ils sont avec toi, mon frère. Bon, bref. En vrai, je vais poser une question de rapidité, le premier qui répond, il passe en premier. C'est bon? Comment je fais pour que ce soit beau ça? Vas-y, c'est bon. C'est ouais, okay. Bah, moi j'étais en train de boire, ouais, vas-y. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du bleu et du jaune? Du vert. C'est moi, allez hop, salut. C'est Terless, oui. Mais j'ai parlé avant toi! C'est Terless, gros. C'est jamais Terless. Tu veux voir la VAR? Après, c'est Discord, il est biaisé de toute façon, on le sait, mais quand moi j'ai fini de parler, t'as donné la réponse. T'es un menteur. Moi j'entends. Bah, comment on va faire? Bah, vas-y, c'est bon. Vas-y, je suis un menteur. Bon, bah, Neko, vas-y, passe en premier. Non, tranquille, c'est pas. Bon, tu veux passer ou pas? En vrai, c'est Doc qui passe en premier. Allez hop. Tu passes en premier, Doc? C'est guisé entre nous deux, donc c'est lui qui commence. Vas-y, c'est parti. Alors, tu as émission de télé, gaming, sport, anime,
série, géographie et le thème mystère. Mais attends. Ton truc il se fait pas parce que t'as dit si un gars choisit un thème, les autres ils peuvent pas le choisir. Ils pourront plus le choisir, ouais. Ouais, je t'allais. Mais il y en a 7 des thèmes, gros. Tu vas passer deux fois, vu que vous êtes 3. Ah, d'accord. Mais je vais jamais réussir. En fait, à part jeux vidéo, le reste c'est mort. Mais il a dit anime. Non, je suis nul en anime. Vas-y, je prends jeux vidéo. Tu prends jeux vidéo ? Bien sûr. Ok. Je vais chercher le chrono, 2 minutes. Juste, j'ai oublié, t'as dit à combien de questions par thème ? 10. Ok. N'hésite pas à dire pas si jamais t'es en galère. T'es prêt ? Ouais, c'est mieux là. Ouais. Et t'as dit à combien de minutes ? 2. Ok. Vous voulez voir le chrono sur l'écran ? Voilà, tac, je mets le chrono, il est là. T'es prêt ? Je sais pas, il a mis ça où, hein. Ah ouais, ok. Mais non, mets pas ça derrière ta caméra ! Mets pas ça derrière ta caméra, frère ! Je vais mettre où, frère ? Mais en plein milieu de l'écran ! Ah, gaze. Alors, en même temps, moi, j'ai croyais tellement. En fait, j'ai oublié qu'il y avait un décalage. C'est toi qui me donne le départ. C'est toi qui me donne le départ. Mais en plus, ouais, il y a un décalage. C'est parti. Comment se nomme la saga qui introduit la Triforce ? Les Legends of Zelda. Ok. Dans Sonic Riders Gravity, comment est-il possible de contrôler la gravité ? Oh, ouais. Avec des skates ? Dans League of Legends, à combien de minutes apparaît le Baron Nashor ? Je sais pas, frère. Facile. Question numéro. Si j'effectue un down B avec Peach dans Super Smash Bros. Melee, que se passe-t-il ? Sur un radis. 2 points. Qui a prononcé le célèbre Do a Barrel Roll dans Star Fox Zero ? Ouais. Do a Barrel Roll. Comment il s'appelle déjà ? Je sais pas, je passe. Ok. Comment créer supraconduction dans Genshin Impact ? Avec la glace et l'électricité. 3 points. Dans Pokémon, comment on fait évoluer Colimucus ? Dans quoi ? Dans Pokémon. Comment on fait évoluer Colimucus ? Colimucus. Avec une pierre dégueulasse ? Non. J'ai pas choisi. Cite-moi les 4 conditions de victoire dans Armello. Putain, non mais... je sais pas, moi. Mais tu m'as dit jeux vidéo, mec. T'as sorti des jeux... Ah, j'ai... que des jeux auxquels on a tous joué. Non mais ouais, mais... faut prendre des jeux que tout le monde a joué. Bah, passe. Comment effectuer un Kamehameha dans Tenkaichi 3 ? Je sais pas, frère. Tu veux faire rouler ton stick ? Dans NBA 2K, dans quelle catégorie peut-on trouver l'insigne finisseur de Lob City ? Dans finition ? Ouais, c'est bien, ça fait 5 points. Dans Sonic Riders Zero Gravity, comment est-il possible de contrôler la gravité ? Avec un anneau. Ouais. Dans League of Legends, à combien de minutes apparaît le Baron Nashor ? À 35 minutes. Jamais. C'est faux. Qui a prononcé le célèbre Do a Barrel Roll ? Dans Star Fox Zero. Capitaine Castor. C'est faux. Dans Pokémon, comment fait-on évoluer Colimucus ? Avec un échange. C'est faux. Cite-moi les 4 conditions de victoire dans Armello. 3, je sais pas, vas-y, 2... Je d'achat, 15 minutes. Non. Ok, c'est pas mal. Attends. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a ? En vrai, c'était trop dur déjà... Non, attends. Déjà, le chat, là, je vous réponds juste après parce que je voulais pas le couper, mais... Frère, c'est quoi tes questions ? Ah, gros... Vraie question. Hein. Tu trouves trop dur ? Mais c'est dur, mais c'est mal. En plus, t'as dit... Ouais, t'as... Enfin, du coup, pour le thème jeux vidéo, t'as dit... J'ai pris que des jeux où on a tous joué. Même DR, en fait. Tous les 4 ? Bah oui, tous les 4, on a tous joué à tous les jeux que j'ai cités. Attends. Ouais, mais non, mais frère... Nico, t'as joué à Pokémon ? Ouais, j'ai pour que okay. Platine et... j'ai bouclier. D'accord, donc Nico, il a... Attends, il a dit Platine, truc... Oh, platine 2 ou 3 et bouclier. Ok, donc il a fait 2 Pokémon. Doc, t'as joué à Pokémon ? Ouais, mais je connais pas Colimucus. Ok, Omega, t'as joué à Pokémon ? Ouais. Ok, j'ai joué à Pokémon Rouge. Bah, c'est pas grave, tu feras des points sur sport, gros. D'accord, ok. Après, t'as dit Genshin Impact. Qui a joué à ça par vous ? Mais c'est un jeu du moment, gros. Enfin, je sais pas que tu veux pas jouer. T'as pas joué à Genshin Impact ? Non, j'y ai pas. Enfin, après, c'est. Enfin, j'ai juste eu la flemme. J'y ai pas joué. C'est pas que j'ai quelque chose contre le jeu, mais j'y ai pas joué. C'est un peu le problème, malheureusement. Mais... Non, mais je pensais que t'allais dire, ouais, dans Castlevania, c'est qui le boss final ? Tu sais, je sais pas, des trucs que tout le monde connaît, tu vois. Ah, pardon. Mais c'est ouais. Il reste des thèmes. Franchement, t'as fait un bon score. Parce que moi, je connais Castlevania. Bah, tu sais, c'est qui le boss final ? Tu sais, ça parle de quoi ? Oui, ouais. Donc, c'est qui le boss final ? Genre, là, tu te dis. C'est Dracula. Voilà, tu vois ? C'est on est d'accord. T'as pas joué à Genshin ? Bah non, j'ai pas joué à Genshin, non. Bon, non. Non, mais regarde, tranquille, vas-y, c'est bon. Bon, bah, ok. Et du coup, il a combien de points, là ? Alors, il a fait 1, 2... Tu veux la réponse du Baron Nashor ? C'est 20 minutes. C'est 20 minutes.
putain, c'est de la merde. Le barrel roll. Barrel roll, c'est Sleepy. Pour faire évoluer Colimicus, il faut qu'il soit au niveau 50 sous la pluie. Les 4 victoires dans Armello, c'est la purification, la corruption, le prestige et le régicide. Et quoi ? J'ai jamais joué à Armello, il veut que je devine ça. C'est quoi ça ? C'est quand tu tues le roi, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4 pour Genshin. Et, 5, et le Kamehameha dans Tenkaichi 3, c'est L2 et triangle. De toute façon, même si les questions sont dures et je ne et 5 avec Touquet. Je suis content d'être là juste pour quoi tu dis c'est faux. Combien de points là, oui. 5 points. Ouais. Merde, j'ai changé ma scène comme un gogol. Non, mais je sais que je vais prendre le seum. Mais le gars, il est trop dans son game. Moi ? C'est faux. Ouais. Ah, ok, non. Et là, c'est faux. Du coup, je passe après que les deux ils aient passé leur première. Ouais, tu repasses après, ouais. Ok, je reviens. Comment tu l'as trouvé le thème gros ? Trop dur, peut-être ? On en parlera plus tard. Ok, en off si tu veux. Vas-y, pas de soucis, désolé. Parce que là, on a déjà assez parlé de ça, autant avancer. Vas-y, ça marche. Qui passe ensuite ? Neko, Terles. Terles ? N'importe, je m'en fous. Ok, bah Terles alors. Il reste. Émission de télé. Attention, c'est chaud. Surtout, frère, tu regardes des trucs pisse. Sport. Toi, non, j'ai pris des émissions que tout le monde. Non, moi j'ai pris des émissions que tout le monde connaît, frère. Émission de télé, sport, anime, série, géographie et thème mystère. Bah en fait, vu comment t'as fait les questions pour jeux vidéo. En fait, je sais même pas quoi choisir. Parce que je pourrais te dire sport. Mais frère, si tu me parles de trucs qui étaient là avant la guerre. Là, en mode, ok, les animes, c'est pareil. Si tu me parles de trucs qui passaient pendant le club Dorothée, je vais être là en mode quoi, frère. En fait. Après, je sais pas, t'as dit guerre. J'ai pas dit guerre. J'ai dit sport. J'ai dit sport, série, géographie, thème mystère et. Wesh, il est où, série? Voilà, il a perdu. Ah, il est là, et la série. Mais tu vois, même série. Je sais qu'on a pas regardé les mêmes séries. Mais j'ai essayé de prendre des séries que, voilà, tu vois, quand même assez connues et voilà. Il arrive à dans Dominion, comment ça. Non. Des séries plutôt connues. Non, j'ai pris des séries plutôt connues. Salut Basso, comment ça va? Il y en a des un tout petit peu moins connus et il y en a des connus. Ah, mais c'est pareil, dans connus, je dis pas, j'ai une bêtise. Si tu me parles de The Boys, j'ai pas regardé. Ah, mais ouais, mais. Il a forcément parlé de The Boys. Non, même pas. Même pas en plus. Ah ouais? Non, même pas en plus, frère. Ouais. Je te jure que même pas. Comme oh tu veux. Oh là là là. Bah, et c'est géographie. Ou tel mystère. Merde, j'allais même pas en cours de géo, frère. En vrai, la géo, c'est carré, en vrai. C'est plus facile que tout le reste, hein. Parce que ça, c'est le truc qui bouge pas, tu vois. C'est fixe. Mais que... je n'allais pas en géographie. Je lançais des compas sur la prof. Frère. C'est où? Quoi? Voilà, c'est bon, tu connais, frère. Ouais. C'est où le Kazakhstan? Je sais pas c'est où en fait. C'est à côté de la Roumanie. Frère, comment elle s'appelle l'autre là? La pote de Nami. C'était une quoi? Une malgache. Et moi je disais quoi? Je sais pas, gros, je me souviens plus. Je sais plus où c'est, mais ouais. Voilà. Allez, je vais de deux bisous. Vas-y, bien vu d'être passé. T'inquiète. Pouah, frère. Le truc, c'est que sport, il y a trop de trucs. Il parle de tennis, frère, ou de billard. Ah, bon, il va te parler de vrai bail, hein. vas-y. En vrai, j'hésite entre sport. Ouais, NBA surtout, c'est sûr. Il va me parler d'NBA. Bah encore une NBA, je pourrais m'en sortir, entre guillemets, si c'est des trucs récents. Mais... Il a bien dit que c'est des trucs récents. Bah oui, il va parler de Magic Johnson en 1856. Non. Il y a des questions dures, il y a des questions faciles. Et j'hésite comme entre tout. Sport et anime, en fait. Mais je me dis... Anime, tu vas galérer, hein. Il va parler de Seiya, tout ça. Ouais, non, voilà. Pas forcément. Je me dis, je pourrais plus m'en sortir dans le sport que dans les animes. Parce que lui, il y a des trucs bressons. Non. Mais comme il a dit, c'est des trucs connus ou des trucs, il peut pas prendre des trucs bressons. Non. Il peut prendre One Piece, Bleach, Naruto. Il y a forcément des questions un petit peu bressons parce qu'il faut de la difficulté, mais sinon. Mais le truc, je préfère me blaguer sur le sport que sur les animes. Rien de sensei. Mais j'ai rien dit de sensei. J'ai dit qu'il n'y a pas de sensei. Ça pourrait faire mal à mon Kokoro si tu vois, je le trouve pas pour les animes, tu vois. Parce que s'il me dit épisode 4, Luffy il fait quoi? Non, gros, vois, il est là en train de grind devant Zoro pour déjà bien m'aider, mon frère. Tu vois, je sais où il habite. Tu vois, je pourrais. Tu parles trop mal. Mais j'ai même pas mal parlé d'NCNCA, cassez-vous, wesh.
Eh vas-y, toi, de toute façon dans le chat ils ont dit sport. Vas-y, sport, sport. Sport, quand t'es prêt. Ah. Attends, là, faut que je remette le chrono. Ouais, je... Merde, je l'ai quitté. Tu vois. J'ai non, quitté en plus. Le chrono, il est décalé. Attends, mais je l'ai quitté en plus comme un Google. Parce que le chrono, moi, je le vois sur ton stream. Et du coup, sur ton stream, c'est décalé en fait. Mais en vrai, mais t'es à l'aise, en fait. Mais pourquoi tu t'enlèves pas la cam de ton stream et tu la mets sur Discord et tu mets le plein écran de Discord. Comme ça, ta cam, elle est quand même dans ton stream, mais avec nous tous. Oui, mais ça change pas que. Oui, ça change rien, ouais. En vrai. Parce que, ouais, je sais pas, ça change rien. Ouais, ça fait juste que eux. Non, mais ça fait que eux, oui, voient Doc, Omega et moi. Et ils vont voir le chrono. Mais comme je t'ai dit, c'est sur le stream de truc. Donc, déjà, il y a du lag. Enfin, il y a du. Ah, ouais. Ouais. Enfin, bref, vas-y, quand t'es prêt. Bégaye. J'arrête tout de suite de dire des trucs comme ça. Ah, vas-y, c'est parti. Attends, je suis en train de manger. Merde. Voilà. Ah. Et voilà. Là, tu donnes deux points. Je veux. Non, c'est bon. Alors, prêt. C'est parti. Que signifient les initiales RB de Leipzig? Je sais pas. Passe. Dans quel club la légende de hockey Wayne Gretzky a-t-il sa statue? New York. Dans quel pays ont lieu les prochains JO? Facile. Oh, frère, je sais pas moi. Passe. Combien de points rapporte un essai au rugby? 2. Comment s'appelle le rôle du lanceur de balle au football américain? Quarterback. C'est bon. En NCAA, que signifie l'acronyme de l'équipe UNLV? Je sais même pas c'est qui, frère. Que signifie un ace en tennis? Je sais quoi, t'as fait un... Oh, passe. Qui a remporté la dernière coupe du monde de LOL? Damon. Ouais, ça fait deux. Dans quel club Alex Morgan a-t-elle remporté la Champions League? La Champions League. Ou les Galaxy, non? Non. Dans quelle discipline Laura Flessel a-t-elle remporté 2 médailles olympiques? Oh. Je sais pas c'est qui. Grande sportive antillaise, pourtant. De chez toi. À la foot, frère. De chez toi. Ok, que signifient les initiales RB de Leipzig? Frère, c'est de l'allemand, ouais. Je sais pas, frère. Dans quel club la légende de hockey sur glace Wayne Gretzky a-t-il sa statue? Dans quel club? Je sais pas. Donne une ville, peu importe. J'ai dit New York tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Los Angeles. Ouais, les Kings. Dans quel pays ont lieu les prochains JO? Facile. Non. Comment s'appelle... non, c'est... En NCAA, que signifie l'acronyme de l'équipe UNLV? Unity... Non. N-word... Non. Que signifie un ace en tennis? Ouais, j'étais pas marre. Un ace? Mais attends, mais ouais, mais j'ai pu là. Attends, un ace, à quel moment tu fais un ace? Il y a un seul moment où tu peux faire un ace. Bah, c'est quand le gars il met pas de points. Quand le gars il met... Non, c'est pas ça. Dans quel club Alex Morgan a-t-elle remporté la C1? Tottenham. Non. Dans quelle discipline Laura Flessel a-t-elle remporté 2 médailles olympiques? La course. C'est non. Frère. Ça fait 2 pour Terles. Moi je veux les réponses. Attends, il faut que j'écrive dans le chat. Oh la galère. Mais bien sûr, mais c'est quoi ces questions, mon frère? Alors. Merde. Pour RB, c'est Rasenball Sport. Oh. Pour les prochains JO, c'est Japon. Ouais. Un essai au rugby, ça donne 5 points. Ah, UNLV, c'est University of Las Vegas. Un ace en tennis, c'est quand tu fais un service et que l'autre ne le renvoie pas. Dans quel club Alex Morgan a-t-elle remporté la C1? C'est à l'Olympique Lyonnais. Et enfin, dans quelle discipline... Mais t'as pas dit la question. Dans quelle discipline Laura Flessel... Alex Morgan? Attends, what the fuck? Elle a joué à Lyon et maintenant elle est à Tottenham, en fait. Dans quelle discipline Laura Flessel a-t-elle remporté 2 médailles olympiques? C'est l'escrime. Ok. Alex Morgan, elle joue à Lyon? Bah oui, gros. Ouais, elle joue à Lyon. C'est connu, ça, qu'elle a joué à Lyon. Genre, je calcule pas Lyon, frère. Il y a une ou deux saisons, hein. Neko, il te reste thème mystère, géographie, anime et émission de télé. Alors, thème mystère, géographie, anime et émission de télé? Ouais. Et série? Et série. Thème, répète? Je répète. Émission de télé. Émission de télé. Sport, ça a déjà été pris. Anime et gaming anime, aussi. Série. Série. Géographie et thème mystère. Géographie, thème. Il m'a dit anime 20 fois, jamais, mon frère.
T'es fou, à Nîmes, je suis claqué au sol. Moi, je vais prendre série. Série? Série. Achat. Quand t'es Série en bas de guerre! Quand t'es prêt. Attends. Je suis prêt. Ok, dans quelle ville se déroule la série Shameless? Aucune idée. Quel métier exerce Mike Attends, quel Ross dans Shameless? Suits? Quel Shameless? Quel Amérique, Shameless? Amérique. Je sais pas, vas-y, continue. Quel métier exerce Mike Ross dans Suits? Il est avocat. Qui interprète Hank Moody dans Californication? Mulder. Ah, mais ça me donne pas son nom. Quels sont Je les sais pas, pouvoirs j'ai pas Piper. de Piper Halliwell? De Piper? Ouais. C'est une sorcière, frère, elle a des pouvoirs Ouais, mais je de veux pas. savoir c'est quoi? Non. Je sais pas, j'aimerais regarder Charme, mon frère, j'en ai rien à foutre. Qui double Reese dans la VF de Malcolm in the Middle? Mais casse-toi, mon frère! Tu penses que. Il est connu, il est archi connu, C'est quoi frère. ces questions, mon frère? Ok, Mais je quel est le nom connais de la femme de Ragnar Lothbrok dans Vikings? pas. Lothbrok, parle bien, s'il te Lothbrok, plaît. ça Jimmy. parle. Non. Jimmy, il a Qui dit. interprète Léo Dagan Carmélite dans Carmelote d'Alexandre Astier? Léo. Je sais pas. Comment s'appelle le meilleur ami de Hervé Dumont dans Caméra Café? Aucune idée. Comment s'appelle le personnage principal du Nounou d'Enfer? Fran. C'est bien. Qui est à la tête du service diagnostic de Princeton Plainsboro? Qui quoi? Qui est à la tête du service diagnostic de Princeton Plainsboro? Quelle idée? Dans quelle ville se déroule la série Shameless? Aucune idée. Amérique. Aucune Qui idée. interprète Hank Moody dans Californication? Aucune idée. Quels sont les pouvoirs de Piper? Aucune idée. Qui double Reese dans Malcolm? Aucune idée. Quel est le nom de la femme de Ragnar? Aucune idée. Qui interprète Léo Dagan de Carmélite? Aucune idée. Bah, tu sais pas alors, du coup, pour le reste. On arrête? Non, frère. Des questions de nul là. Il dit ouais, des trucs connus. C'est connu, Personne regarde frère! Californication. Ah, Personne regarde frère! Caméra 4. C'était une série qui était archi connue à l'époque. Ah, ouais, ouais, en 2006, mon frère. Je regardais des séries, moi, en 2006. C'est chaud Frère, comme. gros. Des questions, hein, frère. Toutes les questions, elles sont compliquées. À part Viking, toutes les questions sont compliquées. Même la ville de Shemley, je sais même pas, moi. C'est Chicago, frère. Ils le disent tout le temps, gros. Mais genre, Je c'est un regarde, détail. À C'est un détail. Alors que quasiment tous les épisodes. dans toutes les séries que t'as données, j'ai regardé Kaamelott, mais je connais pas les gens. Et j'ai regardé. C'est tout. Y a aucune série que t'as donnée que j'ai regardée, frère. Ouais, je sais pas, géographie, parce que tu vois, les questions qu'il pose, il peut vraiment te dire c'est quoi la capitale du Caméra Café, c'est trop bien. Ouais, Kazakhstan. Caméra Café, c'est archi bien. Pour Hank Moody, c'était David Duchovny. Je sais pas qui c'est. L'acteur, donc, Ah, c'est Mulder. De J'ai Mulder. raison en soi. Et après le quiz, je sais pas. Ouais, je te le donne, vas-y si tu Je veux. sais pas. Les Non, mais c'est pas grave. pouvoirs de Piper, c'était l'immobilisation, l'explosion, l'accélération et la réversion. Ok, j'ai jamais regardé Charme. Quoi? Frère. Mais Attends, attends, moi, je sais attends, plus c'est qui pause. Léo Dagan, je crois que c'est son beau-père, je crois, Attends, je sais attends, même attends. Pause. Quoi? Redis les pouvoirs de Piper, s'il te plaît. Immobilisation, explosion, accélération et réversion. Qu'est-ce que t'appelles accélération? C'est quand elle envoie les gens valser là, avec ses mains là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Accélération, ça? Ah tu sais quand elle les fige et après elle les balance. C'est pas lui qui a trouvé, je pense que c'est Google qui donnait. Je me souvenais même plus de c'était quoi en fait. Je suis parti chercher, je fais Ah ouais c'est ça? Ok. Ok. La VF de Reese dans Malcolm c'est Donald Renew. Je sais pas qui c'est. Mais dis, ah, c'est quoi une. il a dû doubler les trois quarts du cinéma français Tu sais, non, non, mais attends, attends, Non attends, mais juste d'accord une mais question. Malcolm c'est sorti Genre frère, j'avais entre 5 et 10 ans. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit que moi je vais aller voir sur Moi internet pareil, qui fait je le devais dub? avoir à peu près Mais quoi. Non mais non outre mais ça, là. outre ça, il y a que Omega qui connaît les doubleurs des gens. Oh, Grave. frère, il a doublé Spider-Man. Et donc? Il a doublé Mais des il a milliards doublé un de fou. trucs. Mais non mais Mais donc il a doublé Spider-Man, donc le gars qui a doublé Spider-Man, je sais qui. Mais donc je vais aller sur Google et taper qui l'a doublé? Non, j'en ai rien à la foutre. Qui l'a doublé dans sa vie? Non mais c'est juste que c'est connu. Bref, la femme de Ragnar, c'était Non, attends, quoi qui est Lagertha. connu? Lui il est connu ou le fait qu'il ait Ah oui, doublé Reese Donald, qui il soit est connu? connu. Donald est connu. Ouais, Donald est connu, pas qu'il ait doublé Reese. Donc Ah bah si, c'est des si, doubleurs. tout le monde sait qu'il a doublé Reese. Bref. Personne sait qu'il a doublé Reese. Qui dans mon chat, qui savait qu'il avait doublé Reese? Qui connaît Donald déjà dans mon chat? Voilà, déjà, Donald merci. Renew. Bref. Doc, tu connais Donald Renew? Oui, mais je savais pas que c'est lui qui avait fait Reese. Hein. Voilà, bah La c'est femme fait. de Ragnar, c'est Lagertha. Ouais, il me l'avait dit, Terles à l'ancienne, mais j'en suis Léo pas sûr, pas du tout. Dagan, Léo Dagan Carmélite, c'est Lionel Astier. Lionel, ouais, son beau-père. Ouais. Le meilleur pote d'Hervé Dumont dans Caméra Café, c'est Jean-Claude Convenant. Tu bois des Tu l'as life jamais tea trouvé. citron, je Tiens, parle. Caméra Café, il n'y a que toi qui regarde ça, frère.
Et non, je ne bois pas de l'ice tea. Qui est ça, non, mais quand, pas, qui je parle pas dans le monde, je parle entre nous qui là. Est dans il y a la que toi qui sais, tu connais Caméra Café, genre. Ça va, ouais, tranquille. Et à la tête du service diagnostic de voilà, machin, c'est Dr. House. Coca. Ah ouais, putain, ok. La dernière question. J'ai combien de points donc 2. Mais oui, c'est du coca, oui. Après, il est vrai que ce qu'il a. Enfin, à part pour le doubleur, enfin pour sa, cette section-là, c'est vrai que c'est des trucs qui sont connus. Ah bon en soi. J'ai vraiment essayé de faire le plus connu, t'avais je suis désolé, trouvé, c'est quoi, vraiment trop t'avais dur. T'avais trouvé quoi, Thales Bah, pour Viking, là, Nagata ouais. Chavez, les pouvoirs de Piper. Accélération, j'aurais jamais dit, parce que pour moi, elle accélère pas, mais. Les ah, nous, j'aurais ouais. pas trouvé, il aurait dit des trucs trop chelous. Pardon, hein je parlais à mon chat, pardon. Ah, Piper, ouais, je savais. Après, c'était. Il y avait quoi Il y avait Shameless, il y avait Shameless, il y avait Malcolm. Shameless, j'aurais pas trouvé. Malcolm, Californication. Pas trouvé. Bref, ça, j'aurais pas trouvé. Ok, il y avait. The Doctor House. Et c'était quoi, Doctor House La dixième c'est... question. Qui est le boss de. Machin Prince Bureau, je sais pas quoi. Là. De l'hôpital. Ah. Qui est le boss de l'hôpital de Doctor ouais, House j'aurais pas trouvé. Mais en soi, ça reste hôpital. Connu. T'aurais dit hôpital, j'aurais trouvé hôpital. Mais non, mais oui, d'accord, mais Californication, c'est vieux. Malcolm, c'est vieux. Shameless, j'ai jamais regardé. Doctor House, je peux pas me souvenir de l'hôpital. Enfin, je pourrais plus, mais voilà. Viking, j'ai jamais regardé. Charme, c'est vieux. En fait, c'est que des trucs, frère. Je calcule ah, justement, plus ouais, mais le truc, c'est que justement, j'ai pris ces trucs-là parce que je me suis dit, tiens, c'est archi connu et c'était à l'ancienne, ça passait à la mort. Donc je me, ouais, j'ai mais, dit, mais, bah vas-y, je vais faire ça, tu vois. Tu vois okay. ce que je veux dire qui présentait une émission de skate entre 2008 et 2005 C'est pas Nathalie Simon sur M6. Pardon. Allez hop là. Qui Nathalie Simon sur M6, allez, let's okay, go. Ok, casse-toi, voilà. Pas non, je déconne, j'en sais rien. C'est parce que c'est vieux, c'est archi connu, que tout le monde connaît, mon gars. Par contre, je crois qu'elle animait des trucs comme ça, je crois. Mais moi, je regarde pas les doubleurs, j'en ai strictement mais rien à foutre. Ouais, moi les doubleurs aussi, je me pète les. Mais déjà, je vois pas de doubleurs parce que je regarde que les trucs en VO déjà. Donc y'a pas de doubleurs. Enfin, à part pour les animes, forcément y'a des doubleurs. Enfin, mais. Oui, enfin, c'est bref. You là. Ouais. Mais bref. Mais... Bref. Du coup, il reste pour Doc, émission de télé. Oh, tout ce que je sais, c'est que là il fait le big. Vous inquiétez même pas que je vais faire un quiz aussi. Il va prendre. J'ai rien dit, wesh. J'ai absolument rien dit, gros. Wow, chill. J'ai rien dit, le gars il me dit je fais le big, j'ai jamais le big gros. Lolo. Il reste anime, émission de télé, géographie et le quiz mystère. Enfin les questions mystère. Le thème mystère, pardon. Qui sait lire du morse là? Parce qu'il y a un gars dans mon chat, il écrit en morse. En morse? Tu sais quoi, ouais, je vois un truc secret là. Mystère? Je vois le morse. Ouais. C'est quoi ça? Le thème mystère, c'est la nature. Vas-y. Quand t'es prêt. Vas-y, quand tu veux, tu me dis stop. Attends, je le remets à zéro. Ok. Comment obtient-on un arc-en-ciel? Avec de l'eau et du soleil. Ouais. De quelle orientation provient Zéphyr? Le vent. De l'est. Dommage. Quelle est l'unité de mesure de l'acidité d'un aliment? Le pH. Ouais. Par quel procédé une plante génère-t-elle de l'oxygène? Vas-y, passe. Avec quelle molécule obtient-on de l'eau? H2O. Ouais. Donne-moi les quatre éléments naturels principaux. Donne-moi les questions, mon frère! L'eau, la terre, le vent et le feu. Ouais. Avec quelle matière fabrique-t-on du verre? Du sable. Ouais. Quelles sont les couleurs qui composent une abeille? Le jaune et le noir. Non. De quelle matière est fait un stalagmite? Glace. Non. Quel animal est considéré comme immortel? La petite bête là, le petit micro, le truc microscopique. Ah, une folle non gros. Je sais pas. Par quel procédé une plante génère-t-elle de l'oxygène? Attends, celle-là je l'ai, j'ai une minute. C'est... Putain, je l'ai perdu. Passe au pire, il hein. y en a d'autres. Ouais, mais les autres je les ai pas. De quelle orientation provient Zéphyr? Bah, il t'en reste plus que 3. Ouais, c'est l'ouest. quel animal est considéré comme immortel? Ah, je l'ai pas. Il te reste par quel procédé une plante génère-t-elle de l'oxygène? Non, le truc de la glace, je l'ai pas eu là. Ah oui, la glace. Oui, de quelle matière fait un stalagmite, pardon? Le sel? Non. De quelle couleur sont les quelles couleurs sont? Ah, quelles sont les couleurs que compose une abeille? Pardon. Je sais pas. Jaune, tout court. Non. De quelle matière est fait un stalagmite? Attends, je vais me concentrer sur... Le système pour faire l'oxygène? Ouais.
Putain. 3, pourquoi je l'ai 2, oublié? 1. En plus, j'aime bien le dire, à chaque fois je le dis. Stop! Ah, c'est pas grave. Hein. Non, c'est vrai, ça l'a même pas mis dans le, sur le. C'est mal les questions qu'il donne, mon frère. Quoi encore? Mais elles sont trop simples, tes questions! Faut savoir, un coup c'est trop dur, un coup c'est trop simple. Bah, c'est pas ma faute, c'est toi qui as fait les trucs, forcément. Enfin, un jour, un coup c'est trop simple, un coup c'est trop dur, frère. Mais est-ce que t'as mis là, c'est vraiment du morse là, là après là? C'est vraiment du morse là. Et le chat pour immortalité. Oh non, j'aurais dit la tortue parce que je sais que ça fait très longtemps une tortue. Par quel procédé obtient ton arc-en-ciel? Tu l'as eu. Le zéphyr, tu l'as eu. Le pH, tu l'as eu. Mais trop fort, Doc, sinon. Par quel procédé une plante génère-t-elle de l'oxygène? C'est la photosynthèse. Ah putain. Les moi, molécules de l'eau. Avec quelle molécule obtient-on de l'eau? C'est l'oxygène et l'hydrogène, tu l'as eu. Donne-moi les quatre éléments naturels. Tu l'as eu, ça fait 5. Le vert, tu l'as eu, ça fait 6. Les abeilles, c'est marron et noir. Le stalagmite, c'est de la terre. Et l'animal qui est considéré comme immortel, c'est la méduse. Principalement. Une abeille, c'est marron? C'est pas la méduse que je pense. La Turritopsis nutricula, précisément. Mais sinon, la méduse, ça m'aurait suffi largement. Les abeilles, c'est marron? Ouais, marron et noir. Attends, ouais, il a tapé direct. Il a combien de points là donc? La bête qui pour moi je sais qui est immortelle. Les acariens? Non, non. Il y a combien de points? Théoriquement, les acariens, ça l'est. Attends. Voilà, les tardigrades. 4. Non, il a pas eu. C'est marron. 3, 4. Ça me dégoûte 5, de regarder 6. Ça, mais. Attends. 6. Il a fait 6. Attends. 6. Du coup, je parlais du tardigrade. D'accord. Ils peuvent se régénérer et tout. Et genre, ils arrivent à vivre dans l'espace. C'est quoi un tardigrade? Nice. Je sais pas. On va regarder ouais, ensemble. C'est un tout microscopique. Attends. T'as dit l'abeille, c'est quelle couleur? Marron et noir. Et t'as trouvé ça où? Principalement. C'est ça un tardigrade. Mais et t'as trouvé ça où? Fais voir, un tardigrade. J'ai pas vu. Attends deux secondes. Ah, c'est piqué là. Ah, ça me débecte. Ah, mais je connais, mais ça me débecte. Sur internet. Comment mon total de points c'est 8 alors que j'ai eu 5 et 6? Ah oui, merde, pardon. Désolé, je suis un connard. Ça fait 11. Ouais, j'ai des meilleurs Toto sur mon stream. Hein. Comment? Je suis une abeille, c'est marron et noir, gros. Et pourquoi là je vois l'abeille est reconnaissable grâce à son corps trapu et recouvert de poils sur sa partie supérieure. Elle porte des bandes noires sur son abdomen qui. Marron et noir, frère. La fourrure marron. Elle est de couleur jaune à brun foncé. Bah, brun, c'est du marron. C'est du marron, frère. Abuse pas. Elle est de couleur jaune. Ah, brun foncé. Coupe quoi? Non, c'est Bébito qui m'a dit ça. Ah, c'est marron là, regarde, dans le stream. C'est marron ça. Marron. Attends. Noir. Je vois pas, j'ai pas vu dans le stream. Ah. Marron. Ah, noir. Ça quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu cries? Je sais pas. Il mais frère, regarde ça, mon frère. Ah, pardon. T'as demandé à voir. Bah ouais, oui, t'as dit montre-moi. Frère, tu m'as fait il peur. Il me connaît depuis la nuit des temps, il sait que j'aime pas les insectes. Mais t'as dit gros. Mais t'as dit montre. Mais genre, je pensais que ça allait être en gros plan. Il est éclaté, cet homme. En tout cas, c'est pas pour autant que je peux vous montrer. C'est écrit, il y a écrit de couleur jaune à bras foncé. Mais bras foncé, écrit... c'est marron, frère. Mais en fait, il y a écrit... Elle oui, porte des bandes ouais. Noires sur son abdomen. Et après, il écrit de couleur jaune à brun foncé. Ça veut dire que. En oui, la soi, jaune, c'est une bonne réponse, oui. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Donc, il est censé l'avoir le point. Je me bats juste pour son point. Mais il est censé l'avoir son point. Il a dit jaune et noir. Bah, il a dit jaune et noir. Vas-y, je et lui toi, donne. Et toi, t'as dit c'était noir et marron. Ouais, désolé, Volcoré, mais en fait, vous avez pas vu l'abeille qu'il a mis, en fait. Pardon. C'était une abeille, quoi. Ouais, c'était une abeille classique. Doc, je te le donne, vas-y, douce. Ah, merci. Ah bah oui, quand même. Il faut militer. Alors, Terles, c'était le prochain, du coup. Il te reste géographie, anime... Et émissions de télé. Mais je regardais pas les émissions. Le gars il va me parler de l'autre bâtard là. Sur la 8 là, j'ai rien dit. Quitté son stream, j'ai joué à Apex. Quel salaud. Bien sûr. Ah, il y a du dilemme. Anime ou Géo? Non, franchement. Anime, géographie et émissions de télé. Prends Géo.
Je peux pas choisir Géo. Franchement, j'y connais vraiment rien en Géo. Bah prends anime. Je prends un anime. Si dans anime. Une petite question, il y a une question sur Dragon Ball, je quitte. Il y en a. On est bien sûr qu'il y en a une, mais forcément il y en a une, frérot. Il y a peut-être même deux. Mais émission, en fait, il peut aller comme il peut. J'avais dit que c'était l'argent. Il peut aller beaucoup trop loin en fait dans son émission, parce qu'il peut parler de. Ici, il me parle d'enquête d'action, je fais quoi? Si il parle de Pascal le grand frère, je fais quoi? C'est pas de. Donc non, je prends anime et je suis sûr que j'aurai 2 points. Je pense que tu peux faire. Si, je pense que tu peux faire plus que ça. Allez, quand t'es prêt. Vas-y. Dans Tower God, comment s'appelle le personnage aux cheveux bleus? Il se fout, Alguès, je passe. Comment s'appellent les talents de Mora Sakibara? Comment s'appelle? Ouais, les talents de Mora Sakibara. Comment s'appelle? Il est grand, frère. Son talent, frère. Il a des talents, ils ont des noms, en fait. Je sais pas. Mais passe, frère. Ok, Aki Keitaro Urashima a-t-il promis de rejoindre Todai dans Lovina? Je passe. Quelles sont les couleurs principales de Meruem dans Hunter x Hunter? Les couleurs principales? Ouais, quelle couleur, le bâtard? Il est vert et violet. C'est bon. Non. Quel sport est pratiqué dans Anebado? Badminton. Ouais, c'est bon. 2. Quel élément utilise la sorcière Evangeline McDowell dans Negima? Oh, Negima. Bon. C'est faux. Dans One Piece, comment s'appelle le fruit mangé par Borsalino? Ouf, c'est qui ça? Borsalino, panini. Vas-y, je te donne un indice. C'est Kizaru. Kizaru. À quelle origine appartient Baby dans Dragon Ball GT? Quelle origine? Alien? C'est faux. Comment qualifie-t-on en japonais un anime érotique? Hentai? Non. Dans quel métier exerce Pikachu dans son film éponyme sorti en 2019? Pourquoi il a eu un film? C'est quoi la question? Quel métier exerce Pikachu? Exerce, pardon, Pikachu dans son film éponyme sorti? Non. Dans Tower of God, comment s'appelle le personnage aux cheveux bleus? Je sais pas. Comment s'appellent les talents de Mura Sakabara? Je sais pas. À qui Keitaro a-t-il promis de rejoindre Todai dans Lovina? Je sais pas. Quel élément utilise Evangeline McDowell? Pierre. Non. Dans One Piece, comment s'appelle le fruit mangé par Borsalino? Je sais pas. Kizaru. À quelle origine appartient Baby de Dragon Ball GT? Je sais pas. Comment appelle-t-on un animé érotique en japonais? Echi. Ouais. Quel métier exerce Pikachu dans son film éponyme sorti en 2019? Boulanger. Non. Mais est-ce sur ma vie, je vais faire un quiz. Sur ma pourquoi, vie, wesh? Je vais le trahir à partir de demain, 9h50. Wesh, j'écris un quiz. Sur ma vie. Sur ta vie ou tu le jures là? Un quiz sur ta vie? Ah ouais, c'est dur un peu. Un quiz sur ta vie, gros, ouais, j'ai jamais arrivé. Hein. Sur ta vie, le quiz. Ouais, c'est vrai, les détectives, mais je m'en bats les couilles, Pikachu, Pokémon, tout ça. Ouais. Donc dans Tower of... Il pose des questions, mon frère, il m'a dit Lovina, c'est quoi ça? Dans Tower of God, il s'appelle Kunagüero Agnes. Les talents de Mura Sakibara, c'est Viceclaw et Thor's Hammer. La lettre qu'il a de... Keitaro, c'est la première à Naru. Naru Segawa. C'est qui Keitaro? C'est le personnage principal de Lovina. C'était quoi la question? À qui est-ce qu'il a promis de rejoindre Todai? En fait, c'est toute l'histoire, elle est basée là-dessus. Ok. Hunter, tu l'as eu. Aneba 2, tu l'as eu. Quel élément utilise Evangeline McDowell dans Negima? C'est la glace. Quel est le fruit qu'a mangé Borsalino, donc Kizaru, dans One Piece? C'est le Pika Pika no Mi. Le fruit de la lumière. L'amiral, wesh, l'amiral de lumière, frère. Kizaru. Il a mangé le Pika Pika no Mi. Le fruit de la lumière, ça m'aurait suffi largement. À quelle origine appartient Baby de Dragon Ball GT? Il est mutant. Comment appelle-t-on un anime érotique? C'est le Eichi, pardon. Et enfin, le métier de Pikachu, c'est détective. Combien de points? Alors, 2, je crois. Parce qu'il a eu Meruem et Anebado. Je crois qu'il est... Mal, hein. Non, il a eu le Eichi, ça fait 3. Je suis un mytho. Un quiz, mon ami. Mais... 3. Oh lolo lolo lolo. Oh lolo lolo. Avec tous les animes de l'histoire qui sont connus, il a trouvé les pires trucs. Même dans One Piece, il a trouvé. Frère, gros, t'abuses. Vas-y, je t'ai pris les One Piece du Anebado que toi-même t'as conseillé.
Tower of God. Anebado, d'accord. Mais ça, j'ai juste bégayé à le sortir. One Piece, frère, tu m'as dit le nom du fruit. Le fruit de la lumière, ça suffisait largement, en gros. C'est un amiral, gros, t'abuses. C'est un personnage principal. Le fruit, frère. Il a été décrit une fois dans le manga, je suis sûr. Et son pouvoir, c'est la lumière, frère. Tu m'aurais dit la lumière, c'est bon, c'était bon, hein. Son pouvoir, c'est la lumière, gros. T'as juste à faire le. Tu demandes le nom du fruit, ça. La question. Ah, c'est. Après, c'est Vislar. Hein. Ouais, bon, effectivement, c'est Vislar. Mais bon, son pouvoir, c'est la lumière, frère. Ça change rien. Son pouvoir, c'est la lumière, tu dis la lumière. Ça m'aura suffi, largement. T'as choisi des trucs. Ah, Murasaki Bara, tu regardes tout le temps un truc. Mais c'est la même chose. Comment je savais qu'ils avaient des enfin un nom de pouvoir, frère. Bah, ils disent tout le temps, non. C'est un anime, non. J'en sais rien. J'ai jamais regardé un épisode. Mais t'as même pas regardé. Non. Mais non. C'est bon, tranquille, wesh. Je suis mort. Bref, à moi. C'est quoi les questions? Il reste Géo et mission de télé. Mission de télé, non. C'est mort. Géographie. Géographie. Ouais, désolé, tes oreilles, mais mets sur une enceinte, des, un Dolby, je sais pas, frère. Un Dolby. Wow. Allez, géographie, là. Géographie, quand t'es prêt. Il est tendu, hein. Non, c'est faux. Donc, alors, t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Dans quel autre pays peut-on retrouver la ville de Naples? Dans quel pays peut-on retrouver le Louvre? En France. Comment s'appelle la monnaie japonaise? Le yen. Quel pays est surnommé l'Albi Céleste en football? La quoi? L'Albi Céleste, pardon, j'ai bugué. L'Albi Céleste? Ouais. Quel pays? En foot. Je sais pas, je sais. Dans quel pays peut-on manger de la poutine? De la poutine? Je sais ça en plus. Mais je crois que c'est, je sais pas, je vais te dire en Italie. Quelle langue pratique le Brésil? Quoi? Quelle langue pratique le Brésil, pardon. Le Brésil, le portugais. Quel est le surnom de la ville de Bruges en Belgique? Le chocolat. Le surnom de la ville? Le chocolat. Non, c'est pas ça. Dans quel pays vient, de quel pays vient l'acteur Sean Connery? Sean Connery, il est anglais. C'est faux. Dans quel il pays est américain, alors. Dans quel Canadien. Pays dans quel pays se situe la ville de Stuttgart? Stuttgart, c'est en Allemagne. Ouais, dans quel pays vit le Père Noël? En Islande. C'est faux. Dans quel autre pays peut-on retrouver la ville de Naples? Pardon. Non. Quoi? Dans quel autre pays peut-on retrouver la ville de Naples? Je sais pas, Zap. Attends, il y a d'autres que je connais. Il est canadien déjà, je me connais. Non. Si, wesh. Non, frère. Quel pays est surnommé la bise? Non. Irlandais. C'est faux. Quel pays est surnommé la bise? Non, wesh. Il y a deux jours. Non, Alguez. Quel pays est surnommé l'Albi Céleste en football? J'en sais rien. Dans quel pays peut-on manger de la poutine? Au Canada. Oui. Quel est le surnom de la ville de Bruges en Belgique? Jeff. De quel pays vient l'acteur Sean Connery? Sean Connery, on est d'accord, c'est du cas joué James Bond. Mm-hmm. Ouais. Il est irlandais. Non. Dans quel pays vit le Père Noël? Au pôle Nord. C'est même pas un pays, mon frère. Non. Dans quel autre pays peut-on retrouver la ville de Naples? C'est aux États-Unis. Il est américain, le Père Noël. Non, par Coca. C'était aux États-Unis. Non, je parle de la ville de Naples. Ah, ok, d'accord. Quel pays surnommé l'Albi Céleste en football? C'est l'Argentine. Quel est le surnom de la ville de Bruges en Belgique? C'est la Venise du Nord. De quel pays vient l'acteur Sean Connery? C'est l'Écosse. Ouais, c'est la même et, chose, en fait, c'est et en fait, dans quel pays vit le Père Noël? C'est la Laponie. La Laponie. La quoi? Il existe ce pays? Ouais. Il existe? Olga, il a vendu des pays. Ouais, grave. Quiz, il est où ton... Non, où, frère. C'est où la Laponie? C'est vers le Danemark, tout ça, voilà, je crois. Voilà, tu sais pas, t'es un menteur. Le pays n'existe pas. C'est pas de la géographie. CLM, j'ai gagné, c'est le pôle Nord. Allez, c'est quoi, j'ai ça, 27 points. Retiens, ça se trouve, t'auras ça au bac ou dans tes examens, toi. Donc j'ai combien de points, là? La Laponie, c'est en Finlande. C'est donc un pays dans un pays. Frère, j'invente rien. Ça n'existe pas, mon frère. C'est pas de la géographie. Mais... T'as demandé à ton mec et il connaît. Mais non, mais c'est... Pour... Je sais pas, c'est Kizaru. Ouais, mais je m'en fous de Kizaru, en fait. Mais oui, en soi, il est connu. Je dis pas que je le connais pas. C'est juste que... J'ai combien de points? Alors, t'as fait l'Allemagne, c'est bon. Canada, c'est bon. Portugal, c'est bon. Brésil, pardon. La monnaie du japonais, c'est bon. Et la France, c'est bon. Ça fait 5. Mais quand tu regardes du porno, c'est pas les mecs qui crient. C'est bizarre, toi. Et enfin, Neko. 5 points. T'avais fait combien à la première manche?
Ça fait 2 points pour Thérèse à la manche 1, 3 points à la manche 2. Doc, il a eu 5 points à la manche 1, 7 à la manche 2. Et moi, j'ai eu 2 points à la manche 1, 5 à la manche 2. Thérèse est en dernière position. Merde, je fais n'importe quoi. Suivi de moi en deuxième, Doc en premier, avec un score de 12. 12. Bah, merci les gars. Il y avait que 6 thèmes. Ouais. C'est fini là donc ? Bah ouais, ça y est, c'est terminé. Ouais, il manque un thème. Bah, l'émission. C'était émission de télé. Bah, on le fait ensemble. Chacun vous le faites ensemble ? Ouais, c'est pas mal. Je pose une question à chacun, enfin, ainsi de suite. Non, mais vous pouvez. Bah, tu sais quoi, je vous pose des questions et vous pouvez tous répondre. Que fais-tu après comment, avoir... Et comment tu fais que moi qui ai répondu ou c'est lui qui a répondu ? Comment ? Non, c'est chacun son tour, je pose une question. Vous préférez comme ça ? Bah, si tu comment tu sais que c'est moi qui ai répondu en premier ou que je lève la main ou que je truc ? Lui, la rend. Ouais, j'avoue. Attends, quoi ? Non, mais c'est. Toi, après avoir tiré la main à lépreux ? On, bah, la lui... on la lui rend. C'est une blague. Ah, elle est nulle en tout cas. Mais ouais, mais je comprends. Mais c'est... il a quoi le lépreux en fait le... bah, là, je crois qu'ils perdent, ils perdent leurs membres du corps, je crois, un truc de genre. Ouais, voilà, c'est ils ça. Ils perdent quoi ? Doc, il a expliqué. La peau, elle tombe, tout ça, frère. Genre, le gars, il se désintègre. Ouais. D'accord. Sale maladie. Hein. Je connaissais pas. La miskine. Hein. Vous voulez faire mission de télé ? Ou vous en avez déjà vous en avez marre ? Non, moi, je suis pas content de faire ça. Hmm qu'on doit faire là. Il reste l'émission de télé, est-ce que vous voulez la faire? Il est un peu chaud. Tour, il pose une question, chacun il est un peu tour. Chaud. Il est chaud. Vrai, il est archi chaud. Ouais, c'est chaud. Je dois c'est chaud, hein. Et du coup, dans le même ordre. Ouais, ouais. C'est, ça fait. Eh, bah, c'est quoi Terles, moi, mais par contre. À chaque réponse que vous avez, c'est point double. Ça vous va? Attends, mais. Vas-y. Mais donne les règles de la dernière manche en fait, Omega. Ok. Donc, je vais vous poser une question, chacun votre tour, et vous allez essayer de répondre. À chaque fois que vous donnez une bonne réponse, c'est point doublé. Une bonne réponse, pardon. D'accord, mais si on dit pas, il se passe quoi ? Bah, on passe à la question suivante et ça passe à la personne suivante. Ok. Ça vous va ? Ouais, ouais. On y va. Attends, je... Chrono ou pas chrono ? On s'en bat les couilles. Bah non, y a pas de chrono là. Ouais, pas de chrono ? Allez, vas-y. On y va. Doc. Dans Question pour un champion, comment s'appelle la manche qui précède le face-à-face ? La question subsidiaire. Terles, qui anime l'émission mot de passe ? Je sais pas, frère. Neko, qui présente l'émission Le plus grand cabaret du monde ? Patrick Sébastien. C'est bien. Doc, sur quelle chaîne est diffusée la trilogie du samedi ? M6. C'est bien. Terles, quel est le format de l'émission Zone Interdite ? Le temps que ça dure. 50 minutes. C'est faux. Quelle est la partie Neko, quelle est la particularité linguistique de Arte ? Quoi ? C'est quoi cette question ? La particularité linguistique. Qu'est-ce que c'est la particularité sur Arte qu'il y a ? Documentaire ? C'est faux. Doc, qui a animé C'est à vous sur France 5 ? Lormanodou. C'est faux. C'est quoi France 5 ? Ça existe ? C'est quoi France 5 ? C'est quelque chose ? Bah oui, frère, bah, c'est la 5, riche. What ? De quoi Terles, tu tombes sur les questions les plus dures. Ah bah ouais, j'ai remarqué, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit toute ma gueule. De quoi parle l'émission La Maison des Maternelles ? Bah, des maternelles ? Ouais. À quelle heure quoi ? C'est précisément de l'éducation des enfants, mais vas-y, ça marche. À quelle heure était diffusée l'émission Midi les Zouzous, Neko ? Sur France 3. Vas-y, je te la compte. Vas-y, tu pouvais pas savoir de quelle heure à quelle heure, mais vas-y, je te la compte. Doc, comment... De 11h30 à 14h. Non. Comment se nomme l'émission à succès de D8 animée par Cyril Hanouna, Doc ? Hanouna, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, pardon. J'ai pas la question du coup. Comment se nomme l'émission à succès de D8 animée par Cyril Hanouna ? Touche pas à mon poste. C'est bien. Doc, Terles, comment. Donc, question pour un champion. Comment s'appelle la manche qui précède le face à face ? Qui regarde question pour un champion ? C'est archi connu, frère. J'ai pas dit que c'était pas connu, mais qui regarde ça ? Je sais pas. Moi j'ai déjà regardé. Mais toi aussi. Bah j'essaie de voir où j'en suis au niveau culture. Bon, j'ai éclaté quand je... Les questions, ouais. T'as vu ? J'ai vas-y, réponds, Thérèse. Je sais pas, frère. Qui anime l'émission Mot de passe, Neko ? Je le connais en plus, c'est Jean-Paul Gaultier.
C'est une femme, et non. Le plus grand cabaret du monde, c'est bon. Le... Ok, Doc, quel est le format de l'émission Zone Interdite? En gros, la durée de Zone Interdite. L'émission Zone Interdite. Ouais. 1h30. Ah, presque. Terles, quelle est la particularité de linguistique de la chaîne Arte? Il parle du grec ancien. Non. Oh les gars, moi je vais tomber sur celle-là, je l'ai. Mais c'est quoi, c'est la question, elle a aucun sens. Neko, on parle d'une chaîne de télé, il parle de particularité linguistique. Bah oui, télé, les Français. Oui. T'as déjà arrivé sur Arte, gros? Bah ouais, j'ai déjà passé dessus un jour. Bah, normalement t'as la réponse. Bah non. C'est un truc spécial qui est que sur Arte. Qui... Attends, particulier linguistique, c'est une émission? Non, non, juste toute la chaîne. La chaîne Arte. Toute la chaîne Arte. Bref, vas-y, continue. Question numéro 7, qui a animé C'est à vous. Je te donne un indice de 2013 à 2017. Sur France 5. Elle est connue parce que maintenant elle occupe une émission très connue. Ouais, c'est. Elle a une tête de souris même. Elle anime le 20h maintenant. Ouais, Claire Chazal. Non. ouais, Midi les Zouzous, je voulais compter. Hanouna, je voulais compter. Maternelle, je voulais compter. Ok, il reste. Doc, comment s'appelle la manche qu'il y a avant le face-à-face dans Question pour un champion? Le 1 contre 1? Non. comment il s'appelle? Terles, qui anime l'émission Mot de passe. Il est plus là. Il est plus là? Je sais pas. Ah, pardon. Il aurait pu parler du Big Deal, hein, mais il a parlé de Mot de passe, mon frère. Parce que c'est connu quand même, mais c'est toujours là-dessus. Ça passe sur quelle chaîne, Mot de passe? France 2. C'était sûr. Mais qui regarde la 2, mon frère? Ça, c'est des chaînes, c'est pas. Mais qui regarde la télé tout court? Ouh! On en a à qui? À moi. À toi, le format de l'émission Zone Interdite, donc la durée. 1h45. Non. Doc, quelle est la particularité linguistique de Arte? Il y a du français et de l'allemand. Exact. Qui a animé... Bref. Qui a animé C'est à vous de 2013 à 2017? Elle présente désormais le JT de France 2. C'est un indice supplémentaire. Il a pas dit TF1 tout à l'heure? Non, France 2. Non, il a dit le JT. Laurent Ferrari? Non. Attends, le France 5 encore. T'as pas parlé du truc de France 5? France 5, si, ça y est, c'était là. C'est à vous. Est-ce que vous voulez changer et essayer de répondre à ça? Non, ma question, okay. Elle est où? Question pour un champion. Comment s'appelle la manche qui précède le face-à-face? La manche finale? Non. Vous, c'est le face-à-face. Oui, voilà, c'est la manche finale, le face-à-face. Ah, qui précède! Ah, oui, qui précède le face-à-face. Ouais, pardon, j'avais pas qu'à là. Doc, qui anime l'émission? La température élevée. Non. Dans l'émission Mot de passe, qui anime? Ouais, attends. Il est vieux ou il est jeune? C'est une meuf et elle est plutôt ancienne à la télé. On vient de le dire, jamais je vais trouver. Hein. Donc, je sais pas, elle est partie à chercher où? Pour. Ah, frère, elle a animé une émission très connue sur TF1. Le soir. Tu parles de mot de passe là, non mais justement je te donne un indice sur la présentation. Ah je sais qui c'est. Je te donne un indice. Elle a animé une grosse émission soir vers 20h sur TF1. Ah Je sais. Laurence Broccolini. Oui, ouais. Laurence Broccolini. Ah je sais. Le format de l'émission Zone Interdite, Terles. Le temps, la durée. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai dit, hein, il aurait. Quoi, t'as dit quoi? Ah, tu lui as dit? J'ai fait mince, c'est 1h20. Ah, ok. Ouais, c'est bien 1h20. J'ai dit 1h30, t'as dit 1h40, donc c'est forcément moi en fait. J'ai dit 1h30. Mais moi aussi, j'ai dit. Quoi? Non, t'as dit quoi, 1h30. Non, t'as dit 50 minutes, tu peux faire les. Moi j'ai dit 1h30. Ah non, mais parce que. Et moi j'ai dit 1h45. Neko, qui a animé C'est à vous sur France 5 de 2013 à 2017. C'est un homme ça? C'est une femme. C'est une femme. Tu sais, même elle a une tête de souris un peu. Mais ouais, je vois. Elle présente le JT de France 2 désormais, le 20h. Bah, c'est pas elle alors. Là, je vous donne masse info. Bah, non, parce que je regarde pas la télé. J'en ai rien que je vais foutre du JT de France 2, mon frère. C'est Twitter mes infos, moi. Marie Mazzola? Non. le bâtard. Oh l'enculé. Mais c'est, on sait pas qui c'est, wesh. C'est galère de fou, mais je t'ai dit, frère.
J'ai déjà des idées hein, pour le cousin. Wesh, non, mais faut pas mal le prendre, les gars, on désolé. prend pas mal, mais tes C'est pas qu'on questions, prend pas mal, frère! mais frère, en fait. Ok, on rit, hein, caca, au moment Nutella, mais frère, t'as vu tes questions? Désolé, je pense. Bah, je sais pas, je me suis Non, dit, mais tiens, on va faire un t'excuses pas, c'est. moyen. Ouais, je suis MDR, mais. J'ai dit, on va faire un moyen dur, parce que si c'est trop simple, ils vont dire, oh, c'est de la merde, et j'ai C'est dit, pas bah. moyen dur, là, c'est moyen. Personne ne connaît. C'est un niveau national ce que tu fais là. Ah oui, wesh. Tu penses? Mais wesh. On a Doc, je crois. L'émission. Allez, reste question pour un champion. Et c'est Et à le vous. c'est à vous. Bah quoi? Quelle est la manche qui précède le face-à-face dans question pour un champion? Chacun pour soi. Non. Dis moyen trop dur. Qui a animé C'est à vous sur France 5? Quoi moyen trop dur Terles. Je sais pas. Nico, c'est de nouveau à toi. Question pour Ouais, un champion, je vais comment chercher s'appelle quoi. la manche qui précède le face-à-face? 4 à la suite. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais, c'est Le ça. 4 à la suite. Lui a grave donné, c'est genre. Quoi? Je pense pas. Non, Non, je pense qu'il ah, a. regarde mon Je pense slip. qu'il a. Je Regarde mon pense qu'il slip, a grave personne me l'a réfléchi. donné. Je te jure. Mais Mais frère, comment t'as tu déjà m'as jamais regardé dit ça? ça? Parce que non, parce que comment ça s'appelle? C'est le truc quand ils sont à 4 et qu'il faut monter les lettres, faut Mais répondre à oui, 4 c'est questions en ça. C'est montant là. exactement. Trouver les mots Et les mots. là j'allais dire. Non, au début j'allais dire 1 à 4, je vais faire le 1 à 4. Et en me disant 4 dans la tête, j'ai compris que ça m'a donné 4 à la suite. Je vous jure, j'ai pas triché. C'est exactement ça. Et enfin, il reste qui a animé C'est à vous sur France 5 de 2013 à 2017? Doc. Donne la première lettre. A. C'est A. Ses initiales, c'est AL. Merci, l'ami. C'était quoi? Anne-Laure. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Terles, une idée. Non, je. Neko. Non, c'est pas ça. Vous abandonnez ou Non, vous essayez de trouver? c'est Moi, Anne. oui. Hein. Ça Ok. commence par Anne. Ouais. C'est Anne-Sophie Lapix. Ouais, c'est ça. Ça me l'a donné, frère. Mais non, c'est Anne. C'est la seule qui peut animer des trucs et être au JT. Mais c'est qui, elle? Je connais. Non, c'est connu, Non. Anne-Sophie Lapix. Je suis désolé. Vous connaissez pas Anne-Sophie Lapix? Ah non. Regardez Elle cette tête, vous savez c'est qui est Anne-Sophie Lapix. archi. Plutôt archi connue quand même. Ah ouais, elle est belle. Anne-Sophie quoi? Putain, j'ai Anne-Sophie déjà entendu ça, Lapix. moi. Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Anne-Sophie Lapix. Tu Ah, la connais? elle! Mais Voilà. putain, mais arrête! Mais genre, t'as sorti ça comme ça! Non, il a dit Anne, il a dit presque. Donc, moi, la seule Anne que je connais à la télé, c'est Anne-Sophie Lapix. Et pourquoi la Yoni, elle rigole? L'objet, t'as dit. Non, mais je te jure qu'elle l'a pas dit. C'est une indique. Mais Kat, Alors, elle l'a pas dit. du coup, QPUC c'est Neko qui l'a eu, ça fait 2. Mot de passe c'est Doc qui l'a eu, ça fait 2. Le plus grand cabaret du monde c'est Neko, ça fait 4 points pour lui. Moi, je suis Harry Roselmack. Attends, je Là, l'ai c'est fait comme dans ça. l'ordre, non mais je l'ai fait dans l'ordre les trucs, attends. C'est quoi le rapport avec carrière? Non, c'est Léa qui Pardon. fait ça. Ah putain, merde, j'ai perdu le compte. Et voilà, tu n'as pas d'amis. Attends. Merde. Doc, t'as répondu à combien de questions? Ça sera plus simple. T'as répondu à la. T'as répondu à Laurence À Arte. Boccolini, à Arte, Ouais. à Midi les Zouzous, non? Non, et Cyril Hanouna. Ouais. Ça fait 6 points en plus. T'es à Ah, 18. six. Ouais, j'avais dit que c'était doublé. Parce qu'il était plutôt rush. Terles, il a trouvé la trilogie Dim Samdi, je crois. Non. Non, C'était moi. c'est lui aussi, donc c'est 7. Donc c'est 8, pardon. Ah, c'est 8, c'est aussi Doc. Ouais. Donc c'est 8, donc ça fait 20 pions. Attends, Doc, je sais qu'il a trouvé. Attends, il a Terles. trouvé. Non, Terles, pardon. Les maternelles, oui. C'est tout, hein. Et c'est déjà pas mal. MDR. 2. Ça fait 2 points en plus. Ce qui rajoute à ton total, t'étais à. Merde. 5, ça fait 7. Et Neko, il a trouvé le 4 à la Tout le reste. suite. Le Boccolini, ça fait 2, 4, 6. Zone interdite, c'est toi qui as trouvé? Ou c'est. Non, Ah c'est non, c'est moi Terles. ça. Ouais, c'est moi Ah, ça. ça fait 4. Ça fait 9. Les programmes en allemand, c'est Doc, ça aussi. Ouais. Ouais, mais ça fait 4 fois qu'on. Ah ouais, merde, putain. Et Anne-Sophie Lapix, c'est aussi lui. Et Midi Moi, les pour l'instant, Zouzous. c'est moi, ouais. Et t'as trouvé Quatre Midi fois les sur 6. Zouzous, Neko. Ouais, De donc face je 5, suis à ça fait 6. 10. 6 ou 7 ou 8. Mais non, t'as pris J'ai le trouvé question 4 pour un à la champ. suite, Sophie Lapix. Ouais. À midi les Le Zouzous, et plus grand après, cabaret du monde. le plus haut cabaret, ça fait 4, ça fait 8 donc. Fait 8. Et j'ai trouvé une donc ça fait 10. Et c'est tout. Ça fait 10. Et t'es à 18.
au total. Donc c'est bien Doc qui remporte le quiz. Merci les copains. La première édition. La première édition du quiz. Bravo Doc. Bravo les gars. Merci les gars hein, d'avoir voulu participer. C'est gentil. De rien, de rien. J'espère que ça vous a plu quand même. Vous pouvez vous applaudir. Franchement, ouais. Désolé, j'ai fait un peu trop dur malheureusement. Merci. J'aurais pu mettre de la musique quand même. Mais. Ah, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a plu, hein, mais. Ah. Vous en avez pensé quoi alors du coup? Bah, soyez honnête, hein, vous avez le droit de dire c'était de la merde, c'est à chier. Hein, ah, c'est lourd, mais c'est clap. Ah, mais c'est beaucoup trop dur en fait, frère. Attends, Doc, t'as eu combien de points? Je sais pas. 20, ah, 20 au total. En fait, le problème. Ah, non, derrière moi, j'ai eu. Tu sens, tu... En fait, le problème, c'est que tu sens que les questions, tu les trouves pas parce que tu manques de. On manque de connaissances, mais parce que c'est beaucoup trop précis. Ouais. Ah, c'est, ouais. C'est pas en fonction d'un manque de connaissances. Ok, ok. Faudrait que je fasse plus large, quoi. Parce que, ouais, parce que par exemple, sur la nature, le truc de truc régénérant, bah, je savais juste pas. La lunette est GG. Ça peut être un truc qui se sait, quoi. La lunette est GG. Ah, merci. Ouais, merci GG. Ouais, merci GG oui. À tout le monde. Merci, ouais. Ouais, non, moi, j'imagine que tu marques GG Doc. Ok. Et GG aussi sur ma chaîne, merci, merci Léo. Mais... Ah oui, soyez honnête, vas-y, vas-y, t'as le droit de dire c'était à chier. Hein. Non, non, mais non, c'est pas que c'était à chier. Déjà, comme je t'ai dit, moi, le premier problème, et c'est ce qu'on en a parlé en off avant de lancer, avant que tu fasses les trucs, c'est pour moi, c'était le visuel déjà. Mmh. Et forcément, sur les prochaines éditions, faut qu'on. Bah, déjà, là, c'est toi, t'as dit, ouais, vous êtes chaud, et on est là. Mais faut qu'on le prépare tous, enfin, pas forcément tous, mais faut que ça soit vraiment préparé, genre longtemps avant, pour que justement, il y ait un visuel avant. Mmh. Déjà, et. Donc t'inquiète pas que je vais faire mon visuel, mais ouais non mais ouais comme il a dit en fait c'est oui il y a des fois c'est bah juste bah c'est la connaissance qu'il y a pas, mais il y a des fois genre c'est mais c'est beaucoup trop précis en fait. Et t'as peut-être pris et... pardon vas-y ah pardon, ok et t'as peut-être pris comment je pourrais dire ça en gros pour toi dans ta tête tu t'es dit parce que ce que t'as fait c'est techniquement, on sait tous ça. Mais du coup, c'est ça qui était. Ça, je suis parti de ce postulat. C'est pas. Enfin, c'est pas que c'est pas possible de faire ça. Mais encore pire, tu nous connais. Donc en soi, tu sais ce qu'on. Entre guillemets, hein. Parce que forcément, tu sais pas tout ce qu'on a dans notre tête. Mais tu sais à peu près ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ouais. C'est comme dans le question pour un champion, je crois. Hein. Ouais. Il y a les thèmes que les gens ils connaissent par cœur. Hein. Genre, tu vois, quand ils disent, ouais, quel thème vous voulez choisir pour faire tel truc. Il y a un thème en rouge parce que elle sait que c'est son thème à elle. Genre moi je prends, je sais pas ce qu'est ce branche, je sais pas c'est quoi l'émission mais. Ah mais faut qu'on fasse comme le truc de le stream, c'est genre on propose chacun son thème. Ah c'est pas mal ça. Et mais nous on tombe pas dessus, mais du coup on les propose aux autres. Ah ouais c'est pas mal ça. Thème favori après... genre en mode et les autres doivent prendre. Ok ouais j'aime bien. C'est pas mal du tout. Non c'est nul frère. Ah ouais. Attends mais si tu dis ouais moi je prends un... moi je fais le thème la nature. Tu mets des questions de nature et y a que toi qui parmi tous là, y a que toi qui connais la nature. Non, mais vu que tu connais, du coup vu que c'est un sujet que tu connais, tu sais comment mettre des questions faciles et à la fin mettre des questions un peu plus dures. Genre tu sais, tu mets deux questions dures à la fin. Ouais. Parce que là, si moi je choisis le skate là, vous allez trouver. Mais frère, par exemple, tu dis ouais, c'est quoi la position avec le pied gauche là? Tu dis. C'est quoi la position avec le pied gauche qui pop le skate pour faire un ollie? Vous retrouvez quoi? Mais non, mais parle juste du pied gauche de base quand tu mets. Bah oui, bah ok. La position quand t'avances, enfin quand t'avances vers. Quand. Non. Quand tu vas vers l'avant, quand ton pied gauche il est à l'arrière, c'est quoi la position? Je sais plus, il y a régulière et c'est goofy. Et tu vois, je connais les mots. Voilà, ok. Et si je dis, quel est le trick inventé par Rodney Mullen? Tu vas trouver quoi? Mais non, voilà. mais tu sais que c'est dur, mais justement, c'est dur. C'est compliqué le skate, y'a rien de facile. Mais non, mais je regarde, tu dis, ouais, quel jeu machin, à l'effigie de quel skater machin. Question facile. Ouais, j'avoue. Moi, je vais mettre mon thème sera le skate. Vous allez voir, bon. Mais juste, mais voilà. Donc, tu sais comment faire des questions faciles. Tu sais comment faire des questions dures. C'est ça qui. Il y a Léonie qui suggère d'éviter les émissions comme mot de passe, mais plutôt mettre de la télé-réalité. Non. Oh, non, on regarde pas. Sauf si tu parles de la première saison de la. Je sais plus quelle saison de Secret Story avec Senna, tout ça là. Ouais. Avec Senna, l'autre pute là. Nabila, tout ça. Ça, ok, je peux répondre. Mais tu vois, par exemple, tu vois, enfin, non, je vais pas dire, parce que t'inquiète. Ce sera pour mon crise. Hein? Mon crise, pardon. non, mais ouais, en vrai, ouais, c'est plus. Enfin, en vrai, pour moi, c'est plus ça, c'est que toi, tu t'es trop dit, on sait.
Parce ouais. que toi peut-être. Et même parce que tu vois, il a parlé de knowledge. Frère, t'as osé me dire pour Kuroko. Ouais, ça se trouve. Il dit ça tout le temps, c'est un anime alors que t'avais même pas vu. Non, genre, ça veut dire que dans tes questions, t'as fait des questions que toi-même tu savais pas. Non, juste celle-là. En vrai, juste celle-là. J'ai fait ah ouais, ils sont archi fans de ce truc, ça leur fera des points gratuits. Du coup, j'ai mis ça. Mais t'as trouvé ça où? Qu'ils avaient des noms de pouvoir? Sur le Wikipédia de l'anime. Mais ils les disent pas. Il y a les noms quand tu regardes, quand tu vas sur le wiki, mais ils en parlent jamais. My bad. Comme d'habitude, ils disent tout le temps les noms techniques dans les mangas. J'ai fait, ah, vas-y, c'est des points gratuits. Ouais, mais là, c'est pas Naruto, il fait pas un jutsu en fait. Il est juste là. Le type. Ouais, c'est pas faux. Ah, désolé, je voulais vous mettre des points gratuits. Ouais, non, mais. Kuroko no Basket, ça y est, je trouvais pas le nom, putain. Kuroko no Basket. Kuroko no Salto. Mais ouais, t'as dit des trucs. Même quand t'as dit Meruem. Frère, dans ma tête, Meruem. J'étais là en mode Meruem. Je sais. Moi j'ai. Le roi, mon frère. Qu'est-ce que quand t'étais. Appelle là, le quoi? Hein? Quoi, t'as dit? Le roi? Bah, Meruem, c'est son nom, frère. Mais frère, il dit son nom à la fin de la saison. T'as 700 épisodes où on dit le roi, le dernier épisode on dit ouais, c'est ce qu'il cherche, ouais il s'appelle Meruem. Et toi tu sors du néant, ouais c'est quoi les couleurs de Meruem? En plus, t'exagères, c'est un anime que t'arrêtes pas de regarder en ce moment, tu m'as dit. J'arrête pas de regarder. Enfin tu l'as regardé, enfin tu quand je dis j'arrête pas, c'est à dire que tu le regardes régulièrement quoi. Non, j'ai regardé ça une fois, c'est tout. Pourquoi je regarderais Hunter régulièrement, frère, à 700 épisodes? D'ailleurs, il faut que tu racontes. Entre l'ancienne version et la version 2011, il doit y en avoir beaucoup. Quand même. C'est quasiment pareil. Mais il n'y a que 60 épisodes d'Hunter. Hein. Sérieux? Ouais, bah, c'est pas énorme. Non, il y en a peut-être une centaine, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais non, je te parlais de ça, frère. J'ai pas regardé Hunter là. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, pardon. Non, et en plus c'est tombé sur moi, mais ça serait tombé sur Doc par exemple. Oh là, moi j'étais mort, hein, j'étais fini. Hein. Tu penses? Là, sur le animé? J'en avais aucun, je crois. C'est qui Myriam, je fais qui là? Myriam. Bah, le roi. Le gars qui ressemble à. La question c'était. Couleur, ouais, vas-y. Mais il est vert et noir. Non. Vert et violet. Ouais, c'est la même chose. Et il a eu bon, hein, de toute façon. Non, mais c'est pas que j'ai pas eu bon, mais c'est juste que. Tu m'as donné. Mais comme Kizaru. Frère, tu t'as sorti des noms comme ça. C'est son vrai prénom, Borsalino. Je savais même pas, frère. J'ai tapé Kizaru, ça m'a mis Borsalino. Ah, je fais, ah ouais, c'est tricky un peu. Je fais, vas-y, je vais mettre ça. C'est tricky un peu. Tu vois, c'est des trucs. Après, je t'ai dit, ouais, c'est Kizaru. Oui, mais tu vois, c'est des trucs. C'est comme si. Enfin, entre guillemets, on est. Enfin, on est à peu près trois à avoir regardé One Piece, voilà. Mais c'est comme si, là, je te dis, ouais, c'est quoi le nom du fruit de Akainu? C'est le fruit du magma. Ah, le fruit du magma. Bah, il fait du magma, frère. Il est en magma, Akainu. Et le nom du fruit, c'est fruit du magma. Alors là... C'est pas Merameranomi. Non, Merameranomi, c'est le feu. Donc c'est ça? Non, Merameranomi, c'est feu. Voilà, je sais plus. À un moment, je le savais, mais là, je sais plus. Voilà. Le fruit de Luffy, comment il s'appelle? Gum Gum. Non. Enfin si, mais c'est Gomu Gomu, voilà. Mais ouais. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Mais tu vois, frère, tu parles quand même d'un... T'as pris un détail d'un anime de 20 ans. Donc avec tous les trucs qui se sont passés, tous les trucs du truc... Oh, il est quand même important, comment il s'appelle, Kizaru. Il est important pourquoi? À la guerre, il est important. Quand il fracasse les supernovas à Sabaody, il est important. Je crois que c'est tout. Enfin, en tout cas, il a fait des trucs importants. Sabaody et Marineford, c'est quand même deux arcs très forts dans One Piece. Je crois que t'as pas entendu quand j'ai chippé plus loin. Non mais tranquille, t'as fait ton truc, voilà, tranquille. Non, ok, bah la prochaine fois je le retravaillerai, je le ferai peut-être un peu plus large, les questions. Et Épisode 195, ouais, je t'abuse. Non mais... Sport, je me suis dit, c'était peut-être un peu... Les seules que j'ai trouvé vraiment dures, c'était émission de télé. Je me suis dit, ah merde, c'est peut-être un peu chaud quand même à un moment. Mais pour toi, sport, c'était pas dur. Sport, en vrai, sport. Sport, t'as fait un super score. Frère, j'ai à chaque fois, à chaque fois que je suis passé, j'ai pris 2 points. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais pas du tout. À sport, t'as fait 1, 2, 3. Non, t'as pas fait tennis.
Ah ouais, t'as fait, non, t'as fait deux. Ouais, non, voilà. Ah merde, putain, je pensais que t'avais plus que. Dans ma tête, t'avais fait grave plus. Mais non, mais frère, t'es là en sport, tu m'as dit, c'est... que veut dire RP ou je sais pas quoi dans l'exig, mais frère. RB dans la UC. Bah, t'aurais dit Red Bull, ça suffisait. Hein. Comment je sais que c'est Red Bull, mes frères? Toutes les équipes de toutes les équipes de Red Bull, ça peut être comme ça. Bah, attendez. Eux en allemand, c'est Rasenballsport, mais t'as capté. Attendez. Comment ça va? Attendez. J'ai une info crucial à donner là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans le prochain film Spider-Man, donc avec Tom Holland, le troisième, Andrew Garfield et Tobey Maguire rejoignent Tom Holland pour avec le costume. Tout le monde le sait. Et y a quoi de? C'est fou, toi t'es fou. Ok, allez, continue à parler. Bah ça va, hein, tranquille. Ouais, tout en vrai, tu sais que j'avais pensé aussi à un dernier thème, c'était les acronymes, mais je me suis dit, ouais, c'est trop chaud. Tu as l'air blasé. C'est pas blasé, mais c'est que, je sais pas, genre franchement, le quiz, waouh, il était insane. Que ce soit pour mes thèmes, les deux thèmes que moi j'ai eu, mais que ce soit même pour les autres. Donc je me dis, ok. Au début, je me suis dit, quand j'ai choisi les thèmes, et que bah, en soi, pour moi, j'ai foiré, je me suis dit, ouah, bah, ça se trouve, moi, j'ai pris les pires, enfin, les thèmes les plus durs, et eux, ça va aller. Même DR, en fait, même si j'avais choisi les autres thèmes, j'aurais jamais trouvé. Et là géographie, t'aurais fait un bon score, non? Non. Go Apex. Je veux pas comprendre quand géographie, pendant mes 4 années de collège, lancer des compas sur ma prof. Ouais, mais ça, frérot, en fait, j'y peux rien. Donc. Oh mais il y a des questions, c'est même pas de la géographie mon frère. Frère, t'as dit où le Père Noël il habite où? Pourquoi tu parles de Père Noël? C'est pas ça la pire question. La pire question c'est pas ça, la pire question c'est... Quelle équipe de foot est appelée Las Vegas de... La LB Céleste. C'est Las Vegas de Tchétchénie. C'est question de géographie. Quelle est la couleur du cheval blanc? Bah... Il aurait dû poser ça au quiz. Non peut-être pas, mais là franchement il a... Enfin... Ouais. Sur le chat, vos questions, sur vos chats à vous, est-ce que les personnes elles avaient les réponses? Non. Franchement, il y avait que des. Ouah, c'est galère, wesh. Ouah, ah ouais, les questions. Truc, carrément, il y a des moments où ils sont partis chercher et ça m'a dit, ah ouais, tu vas jamais trouver. J'étais en mode, wesh. La capitale de l'Australie? Je sais pas, moi. C'est pas Sydney. Ouais, t'as dit, c'est pas quoi? C'est pas Sydney. Mais je sais, c'est où Sydney même? En Australie. Ok. Mais oui, je suis sérieux. Non, mais très... je suis sérieux. Genre, la géographie, tu connais rien. Mais vraiment. Mais après, oui. J'ai vu un starfou là, carrément, dans ton chat. Je suis en train de regarder vite fait. T'as dit quoi? J'ai vu l'autre starfou là, dans le chat. Mais non, ouais, franchement, c'est chaud, frère. C'est comme si il y a le thème guerre, et je te dis, ouais, le 2 mars 1916, il s'est passé wack. Wow. Bah, à moins que ce soit un événement majeur, je trouverai pas. Mais si c'est un événement majeur, du genre le 11 novembre, comment ça s'appelle? 18? Je crois, non, c'est pas 18, c'est 45. Ouais, je sais plus, bref, le jour d'armistice, je l'ai pas. Ouais, bro, bien quoi? Si tu me dis la Echi, j'avoue que j'ai juste dit Echi, c'est Tarless. Ah oui, pour les animes. Ouais, tes trucs érotiques là, je sais pas quoi là. Je me suis dit, il va pas trouver, c'est pas possible. Et en fait, si. C'est ouais, elle m'a dit, très clairement, rien à foutre, je l'ai dit, parce que frère. Bah ouais, le quiz il s'est passé, c'était cool là, mais là on débriefe dessus parce que c'était un peu compliqué. Et en même temps, je te rappelle. Un café froid dans un café chaud. T'as bien ton montage toi? Mais je pense que le prochain quiz, si vous voulez bien sûr en refaire un autre une prochaine fois, je le travaillerai un peu plus, tu vois. Non, ouais, moi je vais faire. Non, mais moi, comme je t'ai dit, très clairement, je veux d'autres éditions et très clairement, même moi, je vais chercher à en faire. Vas-y, ouais, ça marche, pas de soucis. Si on peut tous en faire, bah, c'est très bien. Okay. Ouais, t'es même pas à la moitié, un peu, même pas, Kidman? Ouais, après, on peut tous en faire, mais moi si j'en fais un, par contre, c'est un truc en live action. Hein. En live action? Ah oui, avec vous nous. Êtes là, vous êtes là. Avec nous, ouais, ça peut être très cool aussi, ça. Franchement, ça peut être sympa. Après, je sais pas ce qu'on post-doc, tu vois. Ah, mais moi, j'habite à côté, frère. Non, mais logistiquement, c'est... Enfin, ouais, mais ça veut dire que c'est le week-end. Ouais, bah, ça ouais. Implique que ça soit okay. Le week-end, ouais. Ok, Cheatman. Non, mais ouais, bah, t'as raison, en soi. Hein. Au lieu de se précipiter, fais ça en mode... Tu prends ton temps, mais au moins à la fin, la qualité elle est là, elle est présente quoi. Tu parles de ça, ouais, on va faire plein de. Non, ça mais oui, non, mais pour les jeux, pas... il a parlé de Pokémon. Heureusement, c'est Doc. Il a dit comment on fait pour l'évolution de Biggie et truc. J'ai pas trouvé. Il pleut, frère. Ouais, j'étais là en mode. J'avais pas trouvé, hein. Ah ouais, en plus. Ok, wesh.
Qui vient sur Apex? Dans LOL, t'aurais trouvé la question sur LOL? Oui, le baron, je savais. Le baron, baron. Je savais. Tu me poses n'importe quelle question sur LOL, je te réponds, frère. Vas-y là, donne-moi 5 questions sur LOL, je te jure, j'ai 5 bonnes réponses. Ouais, frère. Combien de champions? 156. J'ai regardé tout ça. C'est quoi le cooldown de l'ulti Jinx? C'est combien le cooldown de l'ulti Jinx? 16 secondes à la fin. Il a dit à la 3, fin. 16 secondes. Niveau 3, c'est 16 secondes. Allez, ouais. Il y en a 140. C'est la même chose, wesh. J'ai osé dire 35 minutes pour le Nashor. Ah, ah, ah. Ensuite. C'est quoi la date de naissance de Morgana? Non, je déconne, c'est rien. T'as dit quoi? J'ai dit c'est quoi la date de naissance de Morgana? J'ai pas de date de naissance. C'est de le 14 juillet 1650. C'est que de la merde. Ah oui, franchement, je sais pas quand elle est née. T'as dit n'importe quelle question, frère. Non, mais c'est d'accord, j'ai une faute réponse, mais pour Locke, j'ai raison. Locke, ça fait. C'est 40 quelque chose, 20 quelque chose et 16. Mais de quoi tu parles? Son ulti? Ah ouais, d'accord. Je parle des d'accord. Combien de skins possède Annie? Question. C'est Enzo? Il m'a dit pose-moi 5. Il m'a dit pose-moi 5 questions sur truc. J'ai dit pose-moi 5 questions, je suis sûr que j'ai tout bon. Bah c'est bon, j'ai eu deux fois, j'ai eu une faute. 12. Je sais même pas. Hein. Tiens sur Apex. Bon en tout cas. Comment s'appelle l'événement L'ascension. Tout beau, tout joli. Quoi? Dans LOL? Non mais c'est trop facile. C'est quoi l'événement qui a ramené Non, la Yoni. L'événement qui a ramené Yone et. Le Spirit Blossom. Ouais, en français, c'est quoi? Fleur spirituelle. Ouais, mais non, c'est facile. Moi, j'essaie de trouver la question pour que ce soit plus dur, mais. Tu vois, c'est pas évident de trouver la difficulté, je trouve. Du coup, au début, quel est l'événement tout beau, tout joli? Mais c'est beau et joli. Bah, tu peux trouver des trucs durs. Ouais. Non, mais trouver la balance entre le dur et le facile, c'est assez chaud, bah, je trouve. Non, mais. Dans un thème. Quand tu connais bien, tu peux faire la balance entre du facile. Ouais, et... ouais. En vrai, quand tu connais parfaitement, tu sais ce qui est facile, ce qui est simple. Genre, par exemple, qui a fait la tour Eiffel? Voilà, tu vois. Non, mais là, vas-y. Non, mais là, vous saviez, vous saviez que la Statue de la Liberté, à la base, elle est verte. Mais elle est toujours verte. Ah, non, pardon, elle est pas verte. Elle est marron, c'est du cuivre. Et en fait, elle est devenue verte à cause du vent. Ah, il y a de la mousse dessus, ouais. Tu sais aussi qu'elle a été construite chez les Français. Waouh. Ouais, c'est Eiffel qui l'a fait. C'est un cadeau des Français, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un cadeau des Français aux Américains. Et vous savez qu'il y avait 15 tours Eiffel dans le monde? Il n'y en a pas qu'un. Au Japon, il y en a une en France. Il y en a la vraie en France. Il y en a une à Las Vegas. Il y en a une au Japon. Il n'y a pas de tour Eiffel au Japon. Quel âge a Terles et t'as 3 positions? C'est pas la mousse, c'est l'oxydation du cuivre avec le sel marin. Exactement. Vous avez donné une couleur. Je sais plus comment ça s'appelle le nom du truc. C'est trop facile si tu mets des propositions. Et si on fait un QCM, c'est pas trop simple. Après, non, mais en vrai, quand une question est trop dure, tu peux la mettre en QCM. Ouais. Ah ouais, ouais, ça je vois. Tu fais comme. Après, on peut grave faire un. Qui veut prendre sa place? Ah, c'est bien, c'est le truc sur. Tout le monde veut prendre sa place. C'est cool, ça, j'aime bien ça. C'est quoi ça? Tu connais pas? C'est l'émission de quiz de Nagui là sur France 2. Le midi. Waouh! C'est facile. Il m'a dit émission quiz Nagui France 2. Tain, le gars il m'a juste enchaîné en fait. Je connais pas Nagui genre. C'est qui ça? Wesh non. Wesh non t'abuses gros. Comment t'écris ça Nagui? N-A-G-U-I. Nagui, wesh le présentateur de Taratata. Ah lui. Mais tu sais la liste démonstrable mon frère. Mais wesh c'est pas monstrable non plus, je le connais. Ta daronne elle a regardé Tout le monde déteste Chris. Non, j'ai jamais regardé ça. Déjà, on regardait pas France 2 chez moi. Ah, Darren, j'ai dit pas toi. Déjà. Elle regardait Elle regardait France 2 le matin parce qu'il y avait Top Model. C'est tout. Bah voilà, et après, ça enchaînait avec Nagui, France 5. Tout le monde veut prendre sa place. Nagui, tout le monde veut prendre sa place, mais pas les paroles. Ouais, c'est ça, n'oubliez pas les paroles. Ouais, d'accord, mais. Taratata. Je regarde pas ça. C'est quoi ça? Une émission très connue de musique, Taratata. J'avais autre chose à faire, regarder des Taratata. En même temps, ça passait tard. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Statue de Liberté, elle a été posée. Pour les gens, elle était marron. Enfin, c'est du cuivre. Mmh. Et nous, on la voit verte, on est né, elle était verte. Et on est là en mode, ouais, elle est trop bien. Alors qu'à la base, elle est pas verte. C'est stylé, non? Non? Ok, d'accord. Moi, je trouve c'est intéressant de savoir qu'à une époque, les gens, ils avaient une autre vision des choses. Mais bon, je vois que vous en battez les couilles, donc c'est pas grave. Elle est mieux en vert. Ouais, forcément. C'est dégueulasse, ouais, un énorme. Mais, si elle avait été marron, t'aurais dit. Non, mais gros, on aurait dit un énorme étron en marron. C'est dégueulasse. Et c'est la Tour Eiffel, elle est marron. Ah, mais y'a pas de photo de l'époque.
Bah si, wesh. Genre, c'est pas si vieux que ça. Il doit y avoir des croquis. Non, mais il doit y avoir des croquis. Ils ont juste refait un... Qu'on veut voir la couleur du bail, il a dit il y a des croquis. On voit juste, genre, ils ont fait un color swap, quoi. Un color swap. Comment c'était? Ah, ils ont changé la couleur. C'est comme la Tour Eiffel, si elle était pas tous les ans truquée, elle pencherait sur un côté. Ah ouais. D'ailleurs, elle est pas finie aussi. Ah bon? Les réparations là en ce moment? Non. Non, mais elle est juste pas terminée. Elle devait avoir des plaques et tout, elle devait pas je avoir sais des plaques. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle est pas finie. Parce qu'en vrai, c'est une lance d'un ancien titan. Et. Ernest, t'as regardé la titan? Oui. Alors? C'est stylé, mais. Voilà, ah, merci! Mais donc. La saison 4? La fameuse saison 4. La saison 6 déjà. Ah c'est non, pareil. C'est pas qu'elle n'est pas finie, mais elle devait être détruite à la fin. Oui, parce que c'était pour un concours, la Tour Eiffel. Ouais, c'était un truc artistique. De quoi, la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, ouais. C'était pour... Bah voilà, vous savez qu'il y a des trucs précis, comme la Tour Eiffel, elle a été construite à l'occasion d'un concours, mais mes questions, elles sont trop dures. Non, mais... La Tour Eiffel, c'est pas pour un concours, c'était pour l'exposition... C'est un concours ou pas? Je sais pas quoi, là, en France. Je sais plus, frère. C'est que ça devait pas rester. Ouais, mais tu sais comment ça s'appelle? Qui connaît le nom? C'est pas Georges Brassens? Georges Brassens? Non, mais. C'était pas. Non, c'était. Mais si, je connais, il y a un B dedans. Beaubourg ou un truc comme ça. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'était pour. Beaubourg, je crois. Mais non. Bon, sinon, on fait un truc ou. Bref, moi je mets fin au stream. Hop. Ça, c'est fait. Il est où mon strap? Il est là. Merci les gars, en tout cas, merci beaucoup. De rien, toi. Hein. Ciao, ciao. Bon ben voilà, c'est terminé, c'était assez cool comme expérience, bonne soirée, merci Léonie. Et puis je mettrai quand même le quiz sur Discord, voilà, je remettrai le replay, je vais mettre le replay une fois que ce sera terminé. Voilà, merci beaucoup à Terless, Doc et à Neko d'avoir participé, je sais que c'était un petit peu dur, franchement. Franchement, j'avoue, je suis assez d'accord avec ce qu'ils m'ont dit, c'était plutôt pas mal, assez compliqué. On va essayer pour le prochain quiz qu'on fera, on va essayer de le préparer un peu plus parce que là je t'avoue que c'est juste venu de moi comme ça, j'arrive, je fais hop, j'ai fait un quiz, j'ai préparé un quiz en rentrant du boulot, donc ouais, on fera autrement. Oui, assez. Tu penses que t'aurais eu beaucoup de points, Léonie? Quand même sur certains thèmes. C'est vrai que je l'ai pas vu aussi compliqué. Non, j'aurais rien eu. Ah, carrément. À part E.T. Rien de rien. Oh, c'est que c'était sport, c'est mort. Ouais. Et tout le reste aussi. Je regarde pas la télé. Même moi, je la regarde plus. Même moi, j'avoue, je regarde plus la télé. Enfin, bref. Voilà. Merci beaucoup. Après, anime, Kuroko no Basket, j'ai regardé, mais ça me disait rien. Ta question. Ouais, mais en vrai, moi, je pensais que c'était genre... Eh, comme dans Naruto, frère. Il lance son Rasengan. Vas-y, c'est bon. Il dit sa technique The Special Claw, je sais pas quoi là. Je m'en bats les couilles. J'ai dit, vas-y, regarde à la mort ce truc là. Regardez. Ça va faire 5. J'ai dit, ça va faire un point gratuit. MDR. Pas du tout. Voilà. Enfin bref. Merci. Bonne soirée. Des bisous. À demain. Ciao.